Est-ce que tu veux qu'on lance le film avant? Bah, on va lancer avant, mais je pense que c'est mieux, non? Parce que, si on déborde, on va se faire tailler le film. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec le film maintenant. Donc j'y vais, je lance le film. Le temps que tout le monde s'installe. Comment elle peut arriver pendant le film? Oui, peut-être lance le film alors. Je sais, tu peux quitter le masque. Comment? On enlève le masque? Ouais. Après, Sylvie se mettra là, et puis on est assez... Bonne question. Technologie, participation. Patrimoine culturel et matériel, technologie, participation, c'est là. Allez, vas-y. Alors, bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et à ceux qui nous regardent grâce à YouTube, à la chaîne YouTube du Musée du Quai Branly. Avant de démarrer cette table ronde, les intervenants se mettent en place. On va vous proposer un extrait de film sur lequel ne sera pas basé les échanges, mais qui, évidemment, a un rapport avec cette table ronde intitulée « Patrimoine culturel immatériel, ethnologie et participation ». C'est aussi une façon de rappeler qu'il existe un cinéma documentaire anthropologique, en l'occurrence, ici, le film « Garçon boucher » est réalisé par Florent Gueyère, qui s'est formé aux sciences sociales. Et nous allons voir le tout début du film, qui pourrait fournir des documents à des étudiants qui souhaiteraient travailler sur la thématique de la construction du genre, par exemple, ou encore sur la transmission des savoir-faire. C'est un film qui a obtenu un prix au festival Jean Rouch à la compétition internationale, le prix justement du patrimoine culturel immatériel. Et peut-être le hasard veut qu'une démarche d'inclusion à l'inventaire national voit le jour en ce moment même de la part de la Confédération des bouchers. Donc je demande à la régie de commencer à diffuser les 5 premières minutes de ce film. En préambule de nos échanges et qui seront animés donc par Cyril Linard. Au départ, je foutais rien au collège, je faisais que faire n'importe quoi avec mes amis au collège, quoi. Mes collègues m'ont convoqué chez la principale adjointe. Elle me disait, ouais, on peut te mettre, ils m'ont fait faire des stages et tout dans des trucs de comptabilité tout, pour trouver un peu ma voie, quoi. Moi, je pensais déjà depuis longtemps être un peu bouché, mais bon, voilà, quoi, c'était une idée comme ça. Hein. Comme j'avais une idée d'être taxi, des trucs comme ça, quoi, des idées à la con. Et là, après, les idées, j'ai vu qu'elles pouvaient se faire, donc je me suis mis en œuvre pour que ce soit possible. Mais surtout, à mon avis, le collège, je voulais plus se débarrasser de moi qu'autre chose. Allez, monsieur Mathéus. Monsieur Cotreau, Monsieur Chandelier, Monsieur Potvin, Monsieur Ezedine, Monsieur Hortense, je l'ai vu, Monsieur Diard. Bonsoir. Première fois que tu es aussi bien habillé, toi? Non, la semaine dernière, c'était pareil. Monsieur. Ah bon, la semaine dernière, c'était pareil? Oui. Monsieur Rassouli. Oui. Viens me voir. C'est ça que je voulais te montrer derrière. Regarde, quand tu mets ton tablier, en plus il y a la chemise qui dépasse. C'est quoi cette tenue? Habille-toi correctement. C'est bon, vas-y. Suite, monsieur Mathéus. Pareil, essaye de... Ah oui, toi tu... D'accord, les cordons sont trop courts. C'est bon, vas-y. Allez, un couteau à désosser, un couteau à éplucher. C'est parti. En fait, tu te mets dans l'autre patron. Il était sympa, mais bon, je bossais pas non plus beaucoup de viande. Donc ça me saoule. Là, je tombe là, il me manque de respect et tout ça. Et là, je vais en faire un autre. Si avec l'autre patron, ben, je travaille pas de viande, ça se passe mal, il me manque de respect. Là, moi, j'arrête la boucherie, je fais autre chose, quoi. Parce que je suis pas là non plus, parce que si j'en fais juste, on voit trois, et que les trois, ils sont pareils. Et quand je parle au CFA, la plupart de ma classe, ça se passe un peu pareil. Après, ils se disent qu'il n'y a plus de boucher, ben, c'est normal qu'il n'y en ait plus. Quand on est en train d'apprendre, on nous traite mal. Après, nous, on n'a pas envie de continuer le métier. C'est sûr. Non, parce que le patron, là, il a un peu la même façon de penser que moi. Donc je sais qu'il va bien me former, j'en suis sûr, là. Franchement, s'il me forme mal, mais je sais pas ce que je fais, mais là, le prochain, c'est sûr qu'il va bien me former. J'en suis sûr.
Donc bah après je verrai. Hein. Puis après faut juste que j'apprenne et puis que j'écoute bien quoi ce qu'ils disent. Il va bien me former, c'est sûr et certain ça. Attention, c'est ouvert. Comment va-t-on, vous allez bien ? Alors, comment ça va, Mickaël ? Ça va, et vous ? C'est parti, toi ? 3h30. C'est toujours ça, hein. Ça on met ça comme ça, ça on part voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez, voilà, comme ça qu'on fait, d'accord, vous voyez, et le petit morceau est passé, hein. Il a besoin d'une personne. Le bac de chien. Et voilà. On est comme ça ? Si ça fait trop, vous me le dites. Hein. Non, c'est bon. Ouais ? On y va ? D'accord. Voilà. Ça vous plaît comme ça ? Ça fait deux fois. C'est parti. Voilà. Voilà. Ça fait jeu. Miguel, vous avez fini le poulet ? Oui. Tiens, videz le mien, s'il vous plaît. D'accord. Minimum. Voilà. Bien, on va arrêter ici pour savoir si Miguel, le personnage principal du film, devient effectivement un boucher. Je vous invite à regarder le film de Florent Geyer en entier, qui a fait un film ensuite sur le rugby qui s'appelle Plaquage. Et je cède la parole à Cyril Hénard qui va animer cette table ronde. Peut-être que je peux continuer. Ah, c'est comme tu veux. Plus simple, si vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette première table ronde de cette première journée de la formation de la CEF. Alors cette première table ronde est consacrée aux intérêts qu'on va dire partagés qui ont conduit certains services du ministère de la Culture et puis des anthropologues de l'université et du monde de la recherche à travailler ensemble. Cette pratique de l'ethnologie menée de front par les acteurs culturels et par les professionnels de la discipline n'est pas récente. Elle commence très tôt dans l'histoire des politiques culturelles. Je placerai volontiers sur la frise chronologique plusieurs institutions et plusieurs personnalités qui ont permis le développement conjoint d'une ethnologie faite avec le ministère, dans les musées, dans les DRAC, dans les services de culture des collectivités territoriales ou dans les parcs naturels. Alors bien sûr, tout ou presque a commencé avec la fondation du musée du Trocadéro, qui donnera naissance au musée de l'homme et à celui des arts et traditions populaires, qui ont dépendu de plusieurs tutelles ministérielles successives avant qu'un secrétariat et un ministère de la Culture lui-même ne soient créés à la suite d'André Malraux. Ensuite, mais là c'est un choix très sélectif et très personnel, parmi un groupe de personnes plus ou moins visibles, l'avènement de quelques figures centrales comme celle de Paul Rivet, de Georges-Henri Rivière, de Hugues de Varine, de Chérif Casnadar, de Christine Langlois ou de Daniel Fabre, qui ont orienté, agencé ou dirigé ces politiques de collaboration entre la culture et la recherche, et à différentes échelles.
Et puis enfin, il y a peut-être deux moments cruciaux dont on a déjà un petit peu parlé. Ce sont deux moments d'instauration de l'ethnologie au sein de l'appareil ministériel ou d'institution de la culture, pour reprendre le terme de Daniel Fabre. D'une part, évidemment, je veux parler de la création au début des années 80 de la mission du patrimoine ethnologique, qui a soutenu financièrement la recherche ethnologique au sein du paysage de l'action culturelle française, par des appels d'offres et par la labellisation des ethnopôles. Et puis d'autre part, la ratification de la France, par la France de la Convention de l'UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2006. Cette ratification a profondément modifié et remodelé les équilibres anciens, devenus fragiles et instables, et parfois conflictuels, des relations ministère-ethnologie. On y reviendra sans doute dans la table ronde. Je ne vais pas évidemment m'attarder plus longtemps sur ce retour historique, qui reste évidemment caricatural en quelques minutes, mais les collègues ici présents vont sans doute y apporter plus de nuances et plus de chair ethnographique qui nous est très chère, vous le savez. Chacun d'eux a conduit des travaux avec ou pour le ministère et répondra à trois questions qui permettront de mieux comprendre ce rapport singulier que les ethnologues français entretiennent avec le ministère de la Culture, qui n'est pas nécessairement leur ministère. Les témoignages nous diront quelque chose également de l'attachement du ministère à notre discipline, un attachement réciproque qui se manifeste de façon plus ou moins explicite, plus ou moins proactive, plus ou moins individuelle. Car, comme toutes les institutions, si le ministère survit et dépasse ses agents, les personnes qui l'animent n'en sont pas moins centrales dans le processus de collaboration. Et c'est sans doute par elles que l'on peut mieux comprendre comment l'ethnologie et le ministère se sont attachés l'un à l'autre. Je vais rapidement présenter les trois intervenants de cette table ronde. D'abord, Sylvie Sagne, qui est anthropologue, chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire Héritage, et présidente d'un ethnopôle à Carcassonne, le Garae. Elle anime également un axe du chantier scientifique autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Sylvie Siagne dirige encore avec Thomas Mouzard, un autre intervenant de la table ronde qui se trouve à ma droite, la collection de livres Ethnologie de la France et des mondes contemporains. Sylvie Sagne a travaillé sur le thème des racines et des désirs de pérennité dans les sociétés contemporaines, notamment dans le cadre des appels d'offres de la mission ethnologique, au patrimoine ethnologique, et elle se penche actuellement en particulier sur les médiations dans les pratiques patrimoniales. Thomas Mouzard, ensuite, qui est chargé de mission ethnologie et patrimoine culturel immatériel au ministère de la Culture et docteur en anthropologie, après une thèse sur la créativité rituelle à Madagascar, soutenue en 2011, il travaille en Guyane française de 2012 à 2018 pour la commune de Awala Yalinapo, pardon, puis à la direction des affaires culturelles en tant que conseiller à l'ethnologie et pour les communes de l'intérieur. Depuis 2018, il est affecté en administration centrale du ministère. Ses missions visent à articuler soutien à l'ethnologie de la France et à l'anthropologie du patrimoine, avec la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il poursuit ainsi une recherche à l'interface entre politique culturelle et culture vécue, à des fins documentaires, réflexives et prospectives. Et puis enfin, tout à ma gauche, Laurent-Sébastien Fournier, professeur à l'université, enfin, professeur d'anthropologie à l'Université de Nice-Côte d'Azur, membre du LabCos. Il a d'abord travaillé sur la patrimonialisation des fêtes locales en Provence. Il a été expert pour le ministère de la Culture, notamment en accompagnant la candidature des géants et dragons processionnels d'Europe occidentale à l'UNESCO. À partir de 2011, il a été chargé par le ministère de réaliser un inventaire des jeux et sports traditionnels en France. Et ses recherches portent sur, globalement, les processus de patrimonialisation dans les sociétés contemporaines. Alors, je vais poser les trois mêmes questions à nos trois intervenants. Ils répondront dans l'ordre qui leur semble le plus adéquat. Et je vais commencer donc par cette première question. Depuis que l'ethnologie se pratique au ministère, il y a eu plusieurs changements. La fin des appels de la mission du patrimoine ethnologique, la reconfiguration des publications en ethnologie, les livres et les revues, hein. L'avènement du patrimoine culturel immatériel, évidemment, le développement des ethnopôles, et puis dernièrement, le chantier autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Alors, en faisant un rapide retour en arrière sur votre expérience personnelle et sur cet attachement réciproque, j'aimerais bien que vous nous disiez tous les trois quelque chose sur l'évolution de la place de l'ethnologie au ministère et ou avec le ministère depuis une trentaine d'années. Peut-être je peux me permettre de poser d'abord la question à Sylvie. Si tu veux. Merci. Bonjour. Comme l'a dit Cyril, cette évolution a de multiples traductions, l'évolution de la place de l'ethnologie au ministère, avec des changements de nom, mission du patrimoine ethnologique, puis mission à l'ethnologie, puis DPRPS, département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, et puis maintenant le service s'intitule DIRI, direction à l'innovation, non, direction à l'inspection, la recherche et l'innovation. Voilà. Cette évolution, elle se marque aussi par des changements d'interlocuteurs, chacun avec leur sensibilité propre. Odile Velfelet, Christian Autain, Isabelle Chave et aujourd'hui Valérie Perlès et Thomas Mouzard. Et puis aussi donc des changements de direction, dont la plus notable est l'inflexion induite par la mise en œuvre de la Convention de 2003. Mais je serai plus incline à souligner les constantes dans nos rapports avec le ministère. De mon point de vue, il n'y a pas vraiment de solution de continuité. C'est un compagnonnage au long cours, ininterrompu et toujours plus renforcé avec donc, les ethnopôles, enfin l'ethnopôle, du moins celui à la tête duquel je suis, des UMR, le laïc, maintenant héritage, et puis ce GIS, patrimoine en partage, qui est en train de voir le jour. Ces rapports reposent sur une adaptation réciproque. Le ministère de la Culture est sensible à nos préoccupations de recherche. Et pour notre part, nous sommes aussi sensibles aux préoccupations qui sont les leurs. Et tout cela conduit à un dialogue ininterrompu qui a abouti et qui aboutit encore à la définition de programmes négociés au laboratoire, à l'ethnopôle. Des programmes comme les émotions patrimoniales ou les médiations ou encore Bérose ou le programme aussi qu'avait conduit Chiara sur le PCI, bon, enfin, etc., etc. On n'en finirait pas de dresser la liste. Il aboutit aussi, en ce qui nous concerne, ethnologues, à ce que j'ai désigné à propos de Daniel Fabre d'implication à l'envers, qui fait de nous des interprètes du terrain auprès de l'institution. Pour, en citant Daniel, contribuer à la reconnaissance d'aspirations et de pratiques que les formes instituées et homologuées de la gestion culturelle ne sont pas toujours en mesure d'identifier et d'analyser. Autre constante, c'est le rôle de médiation du ministère dans nos échanges avec les professionnels du patrimoine. J'ai en mémoire tous les échanges qu'on a pu avoir avec les archéologues par l'entremise du ministère de la Culture, et puis à l'échelle régionale, au niveau des services déconcentrés qu'il ne s'agirait pas de perdre de vue, les conseillers sectoriels à l'ethnologie ont joué et jouent encore, pour ceux qui sont encore en poste, un rôle essentiel d'interface entre nous, chercheurs, et ce qu'on appelle la demande sociale. Toujours de mon point de vue, c'est-à-dire de là où je parle, c'est peut-être à cette échelle régionale que les évolutions se font le plus sentir avec l'extinction progressive du corps des conseillers sectoriels à l'ethnologie. Juste avant la fusion des régions, nous avons connu cette situation, Languedoc-Roussillon, après le départ à la retraite de Christian Jacquelin. La fusion nous a accordé un petit répit en étendant le périmètre d'action qui était celui d'Yvon Hamon, de Midi-Pyrénées à l'actuelle région Occitanie. Mais son prochain départ à la retraite est bien sûr source d'inquiétude. La question se pose de la pérennité d'une structure comme l'ethnopôle Garae, avec ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire un organisme qui combine recherche en ethnologie et action culturelle. Ma crainte, c'est qu'avec la disparition du secteur ethnologie de la DRAC, tout ce qui, dans nos activités, relève de la recherche, c'est-à-dire les enquêtes, les journées d'études, les séminaires, les colloques, les publications, que tout ça ne puisse pas trouver ailleurs le soutien que ça requiert. Et donc, le corollaire, c'est que, du fait de l'orientation des crédits, des collectivités qui nous soutiennent,
nous soyons de plus en plus tirés vers l'action culturelle, déconnectés de la recherche. Bon, alors on a essayé un peu d'anticiper tout ça à Carcassonne avec la création de ce GIS patrimoine en partage. Du moins, on a l'espoir de pouvoir y pallier à travers ce GIS. Voilà. Merci beaucoup Sylvie pour ce panorama depuis le Sud, mais pas seulement. Hein. On sait bien qu'au sein du Laïc, vous avez travaillé sur le Sud à cause de l'enracinement, on va dire, sudiste de Daniel Fabre, mais pas seulement. Vous avez aussi ouvert des terrains ailleurs. Je donnerai facilement la parole à Thomas maintenant pour qu'il réagisse à ce point de vue régional. Oui, il est vrai que je parle depuis l'administration centrale, mais depuis 3 ans seulement. Donc je serai un peu en peine de dresser devant vous un historique des relations et de répondre mieux que vient de le faire Sylvie à la question. Je rappelle, j'ai pris mes fonctions au ministère de la Culture en 2012 en service déconcentré précisément. J'ai d'abord travaillé pour la commune d'Awala Yalimapo, c'est pas facile à prononcer, c'est du Kalinya. En 2012, après mon doctorat. Ensuite, j'ai été recruté donc, à la direction des affaires culturelles. C'est là, sur le terrain, que j'ai essayé de comprendre ce qu'était le patrimoine culturel immatériel et ce que pouvait être l'ethnologie pour le ministère de la Culture. Parce qu'auparavant, j'ai eu une formation d'anthropologue et mon terrain était Madagascar. Donc j'étais bien loin des politiques culturelles sur ce terrain-là. Et il a fallu faire une mise au point, c'est de ça dont je peux parler, au moment où j'ai pris mes fonctions en tant que conseiller à l'ethnologie et au patrimoine culturel immatériel en Guyane, donc, comprendre en quoi c'était différent et comment l'articuler. Ce qui, de mon point de vue, n'était pas clair à ce moment-là, puisqu'on était encore, je pense, dans une période de transition entre la fin de cette période du patrimoine ethnologique et le patrimoine culturel immatériel qui est arrivé, il faut le rappeler, par l'échelle internationale. Le PCI, patrimoine culturel immatériel, découle d'une convention de l'UNESCO et a été ratifié depuis par 180 États parties. Autrement dit, ça ne concerne pas que la politique culturelle en France. C'est différent. La recherche en ethnologie n'est pas la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, pour moi, on ne parle plus de patrimoine ethnologique. La mission a disparu. Et donc, on a dissocié les deux. D'un côté, vous avez l'ethnologie, et donc, il faut des ethnologues. D'un autre côté, le patrimoine culturel immatériel, qui peut se passer d'ethnologue. Si on lit la convention, il n'est pas nécessaire d'avoir des experts ou pour identifier du patrimoine culturel immatériel. Nous faisons avec ma collègue Valérie Perles, qui est dans la salle, qui est ethnologue elle-même, notre possible pour mettre en relation des communautés qui souhaitent sauvegarder leur patrimoine culturel immatériel avec des ethnologues. Ceci étant dit, il faut là aussi bien clarifier les attendus de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ça n'est pas une enquête ethnographique. En fait, c'est un exercice particulier. Il faut réaliser une fiche d'inventaire en plusieurs parties. Il y a certes un aspect documentaire et les ethnologues sont très bien positionnés pour pouvoir le faire, hein, le but de tout ça, c'est bien la sauvegarde, donc c'est le patrimoine. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on a quand même distingué l'ethnologie qui vise à produire des connaissances avec son dispositif d'investigation qu'on peut rappeler, mais qui repose sur du terrain. Voilà, c'est une science empirique et inductive, d'une part, et d'autre part, une demande sociale de la part d'une communauté au sens large, parce qu'il faudrait définir communauté, c'est un autre débat, qui souhaite
et qui est attaché à sa pratique culturelle. Et on est sur des petits objets par rapport à, aux objets de recherche de l'ethnologie. On est sur une pratique culturelle qui s'agit de sauvegarder. Voilà. Ces personnes-là souhaitent en prendre soin, finalement, la transmettre dans ses aspects les plus vivants. Voilà ce qu'on essaye de faire à travers cet outil qui s'appelle Inventaire national du patrimoine culturel immatériel, qui est en fait un registre de sauvegarde sur lequel on va inscrire des, ce qu'on appelle des éléments du PCI. Donc, n'oublions pas que le PCI, de son côté, est arrivé par l'international. Il y a un long cheminement de discussion dans l'arène de l'UNESCO, mais la convention date de 2003, juste après une nouvelle déclaration universelle sur la diversité culturelle. Donc voilà un des grands principes qui est devenu un principe de gouvernance internationale, de diversité. Et je pense que l'autre mot-clé, c'est durabilité. C'est très inscrit dans le cadre du développement durable et aussi dans la simple idée qu'on souhaite faire durer, pratique culturelle. Alors, je ne vais pas être trop long pour le moment, mais je serai plus dans une démarche programmatique de dire ce qu'on souhaite mettre en place que rétrospective, parce que je suis moi-même demandeur de l'histoire de ces 40 dernières années que je découvre pas à pas, même s'il y a eu des articles, notamment de Christian Autain et d'autres, sur cette séquence d'une quarantaine d'années. Merci beaucoup. Je retiens de ton intervention cette idée que le patrimoine culturel immatériel n'est pas de l'ethnologie, et réciproquement. Et du coup, je vais me tourner vers Laurent-Sébastien Fournier, qui est professeur d'anthropologie, qui a collaboré avec le ministère autour de ces questions-là, et qui pourra sans doute nous apporter son point de vue. Merci Cyril. Alors cependant, pour la réponse à la question que tu as posée, comment est-ce que nous envisageons la place de l'ethnologie au ministère depuis donc, les années de la mission du patrimoine ethnologique, je risque d'être un peu plus pessimiste que mes collègues. À vrai dire, j'ai le sentiment, moi, que cette place, la place de l'ethnologie au ministère de la Culture, elle est mineure, elle est malheureusement même négligeable, malgré tout ce qui a été dit et le bilan qu'on peut tirer des opérations que les uns et les autres ont menées. Et disant cela, je ne juge pas une politique, vous le comprendrez. Je fais plutôt référence à un contexte, le contexte français qui défend traditionnellement une conception très élitiste de la culture comme pratique de distinction, centrée autour d'activités artistiques ou théâtrales par exemple, et puis des difficultés qui, à mon avis, sont propres à la France à accepter la notion de culture populaire qui est une notion que traditionnellement l'ethnologie défend, sauf peut-être dans le cas des dom-toms qu'a évoqué Thomas. Donc les services de l'ethnologie qui sont rattachés au ministère, d'après ce que j'en ai vu, ils pâtissent indéniablement de cette situation, et encore pire à l'échelle locale si on considère la disparition quasi totale des ethnologues dans les DRAC. Et du côté de l'ethnologie, il me semble que la situation n'est pas meilleure. L'ethnologie est une discipline de recherche. À ce titre-là, elle entend innover, toujours innover, et elle oublie donc bien souvent ses liens. Alors ici, on a des contre-exemples qui ont été rappelés, mais de manière tendancielle, j'ai l'impression, moi, que l'ethnologie oublie ses liens anciens avec les musées, avec l'histoire, avec ce qu'on appelle traditionnellement la culture ou même le folklore. Je suis frappé en particulier de constater que dans les rayons des grandes librairies, les ouvrages d'histoire régionale sont rattachés à l'histoire générale, alors qu'ils pourraient être rattachés facilement à l'ethnologie, tandis que les rayons d'ethnologie, eux, sont encombrés d'ouvrages de sociologie ou autres. Alors, pour ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel, il me semble qu'il y a la même ambiguïté entre la volonté du ministère de rendre légitime, c'est-à-dire universelle, des formes culturelles locales, et puis une tendance opposée sur les territoires qui veut utiliser le patrimoine culturel immatériel à des fins de valorisation locale. Et le ministère, qui applique une politique d'État, ne prend pas toujours bien conscience, me semble-t-il, des revendications des élus territoriaux en matière de patrimoine culturel immatériel. On a le cas des ethnopoles, bien sûr, qui offre un contre-exemple, mais les ethnopoles sont seulement un label symbolique et ils ne comblent pas, à mon avis, suffisamment ce fossé, surtout aujourd'hui où les institutions locales raisonnent de plus en plus en termes de compétences, et cette notion est dommageable
au rayonnement de l'ethnologie au ministère. Dans les années de la mission, et je termine avec ça, l'idée que le savoir des ethnologues pouvait contribuer à l'aménagement des territoires ou contribuer à la politique de la ville, cette idée donc avait une consistance et elle participait à légitimer l'action du ministère de la Culture en matière d'ethnologie. Mais aujourd'hui, on est dans une toute autre situation. 20 ans ou 30 ans plus tard, les récits nationaux ont été largement déconstruits et les ethnologues eux-mêmes, ils ont largement contribué à les déconstruire, ces récits nationaux. Mais dans notre nouveau monde qu'on critique à juste titre sans doute pour être très individualiste ou très gestionnaire, quel est le poids de la discipline ? Quel est le poids d'une discipline comme l'ethno qui défend une idée forte du collectif ? Jusqu'à la notion d'ethnos qui est très critiquée, mais enfin c'est quand même la question du collectif. Et du coup, moi j'ai un point de vue un peu en demi-teinte quoi, pour répondre à la question que tu avais posée. Et je crois que c'est une bonne question parce qu'elle nous force à nous interroger pas seulement sur ce qu'est l'ethnologie ou sur ce qu'est l'action du ministère, mais aussi à nous interroger sur la place que nous voulons assigner à l'État et au collectif de manière générale. Oui, cette question des liens et de la dialectique entre l'État et les collectivités territoriales est assez fondamentale aujourd'hui en France avec la régionalisation et puis la décentralisation des services de l'État. Et on voit bien comment ça met et à la fois la politique culturelle et à la fois la place de l'ethnologue et de l'ethnologie sur le terrain un peu en porte-à-faux. Alors, on en arrive à la deuxième question. Les intervenants d'aujourd'hui sont trois chercheurs impliqués sur le terrain. Ils ont tous eu une expérience d'ethnographe. L'anthropologie et l'ethnographie telle qu'on la pratique aujourd'hui encore est, je dirais, par nature et par essence collaborative et participative. Et on a vu émerger cette fameuse convention de l'UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a eu tendance à brouiller et à flouter un petit peu nos habitudes de travail et nos fonctions de chercheurs. Mais j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu comment vous négociez ou comment est-ce que vous compreniez vous-même, en tant que chercheur impliqué sur le terrain, cette notion de participation qui est notamment prônée par l'UNESCO dans la Convention sur le patrimoine culturel immatériel, mais qui est un impératif des politiques culturelles qui dépasse bien largement cette institution et cette convention. Est-ce que, Thomas, tu voudrais rebondir là-dessus, sur la participation, comment vous l'entendez, vous, oui. au sein de votre service au ministère ? Oui, dans la continuité de ce que je viens de dire, l'articulation entre une recherche en ethnologie et une démarche de sauvegarde du PCI, qui est portée en principe par un collectif sur un territoire, il y a nécessité, en effet, si on s'en réfère à la, et on le fait, s'agissant du PCI, à la convention de l'UNESCO de 2003, d'organiser une participation la plus large possible des communautés. Bon, le terme est... De toute façon, si on s'en réfère à cette convention, c'est un texte international largement consensuel et qui, après, est interprété et mis en œuvre différemment selon les États. Je rappelle qu'il y a 180 États parties, les situations sont différentes. Donc, c'est aussi bien qu'il ne soit pas si très, très normatif. Néanmoins, il y a cette injonction à la participation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend vraiment la méthodologie pour réaliser une fiche d'inventaire, on a une première partie qui est descriptive. On doit décrire une pratique et la communauté, les personnes qui la font vivre. Ça, effectivement, un ethnologue peut le faire assez facilement. Il est formé à ça. Et je rappelle qu'on parle d'une fiche d'inventaire, donc ce n'est pas une recherche. Il s'agit de faire une synthèse qui soit d'ailleurs la plus accessible possible, hein, puisque le but de ça, c'est d'apporter une connaissance, une reconnaissance aussi, à une pratique culturelle et en vue de sa sauvegarde. Donc, bon, il y a une description assez accessible de la pratique et de la communauté.
Ensuite, on s'intéresse, dans une deuxième partie, au processus de transmission, aux logiques de transmission. Ça aussi, c'est un thème classique, d'ailleurs, de l'anthropologie depuis bien longtemps. Il est même central. C'est donc quelque chose qu'un chercheur sait faire. Après, on a une troisième partie sur l'historique de la pratique. Donc, on l'a décrite au présent, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on l'observe. Donc, l'outil de l'enquête de terrain est tout à fait approprié. Et ensuite, on passe à l'historique. Donc, on va donner le contexte d'apparition de cette pratique-là et les changements qu'elle a pu connaître au fil du temps. Alors là, parfois, on a un effet aussi de cette démarche sur les personnes qui le font, qui n'ont pas forcément conscience ou la connaissance que cette pratique s'est transformée sur un siècle ou deux siècles quand on a ces données à disposition. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent des réflexes du type on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Et là, on prend conscience, il se passe des choses au moment de cette patrimonialisation. Finalement, il y a eu des changements et donc on peut aussi changer à l'avenir. Et puis il y a une quatrième partie où là il faut faire un diagnostic sur la viabilité de la pratique. En quoi est-elle vivante, en quoi est-elle menacée, par quoi, quels sont les risques. Donc on est dans une logique patrimoniale, hein, il faut bien identifier ce qui menace le bien, si là on hésite à parler de bien s'agissant de pratique. Et c'est ce qu'on appelle la viabilité. Et ensuite, il faut proposer des mesures de sauvegarde, donc on y arrive, puisque c'est bien même l'intitulé de la convention, hein, pour la sauvegarde du PCI, et donc proposer des actions pour assurer la transmission de cette pratique, la maintenir vivante. Et c'est là où un ethnologue n'est pas forcément formé pour ça, puisqu'il faut faire des propositions d'action. On ne nous l'apprend pas, on ne nous forme pas à ça. On nous apprend à observer, à analyser, mais pas à intervenir sur la réalité, même surtout pas à la limite. Et donc, c'est un exercice-là qui est différent, où il faut aussi, c'est là où j'en viens à la participation, réunir les toutes ou parties, selon les cas. Parfois, on est sur des petites choses avec quatre artisans, parfois c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui partagent cette pratique. Mais il faut organiser une concertation. Donc il y a une démarche à mettre en œuvre là, où il faut animer finalement une discussion, savoir faire des propositions, recueillir. Voilà. Donc il y a un aspect concertation, ce n'est pas simplement une étude. Et ensuite, il faut recueillir le consentement. Ça, c'est une pièce à verser au dossier de l'inventaire. Il y a cette fiche et il y a la preuve du consentement libre, préalable, éclairé et durable de la communauté. Hein. Voilà, donc c'est la technique de cet inventaire du patrimoine culturel immatériel qui, encore une fois, n'est pas superposable complètement à une enquête ethnologique. Donc ça invite les chercheurs à se positionner par rapport à ça. C'est le problème du rapport entre la recherche et l'action. Mmh. On va peut-être demander voilà, à... On peut en reparler. À Laurent-Sébastien Fournet, non, justement, de rebondir sur cette adaptabilité ou non de notre discipline à la méthodologie du patrimoine culturel immatériel. Et donc, cette question de la participation... C'est très important. Et puis, Thomas, c'est très bien que tu rentres dans le détail des rubriques, des fiches et des actions concrètes qui sont à prévoir lorsqu'on fait du patrimoine culturel immatériel, de quelques disciplines qu'on vienne. Hein. Et ça pose toute la question de l'adaptabilité de l'ethnologie. Nous, on aimerait croire, enfin, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de patrimoine culturel immatériel, j'aurais aimé croire que l'ethnologie était la discipline d'appui privilégiée pour le patrimoine culturel immatériel. Et puis,
après, je me suis souvent, on est dans une concurrence aussi avec d'autres disciplines qui parfois sont meilleures que les nôtres. Hein. Je pense aux travaux de Marta Severo en information et communication. Moi, je ne sais pas faire ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, par ses modélisations de réseaux de patrimoine, elle dévoile des vrais effets de sens autour du patrimoine. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question-là, autour du PCI en particulier. Après, ça veut dire, est-ce qu'on doit s'adapter ou est-ce qu'on doit se former à des disciplines complémentaires? Moi, je le fais volontiers, j'accepte volontiers de jouer le jeu, peut-être parce que j'ai aussi une formation secondaire en muséologie et en médiation culturelle et que ça me plaît de contribuer au monde des institutions culturelles. Mais après, il y a des collègues ethnologues qui sont pas du tout sur cette posture-là. Après, si on regarde les institutions culturelles de manière plus large, au-delà de la problématique particulière du patrimoine culturel immatériel, j'ai l'impression que la place de l'ethnologue dans les institutions culturelles et comment il se débrouille avec la participation ou la participativité, c'est à double détente, cette question. Parce que si on considère les choses de manière très large, on peut dire que l'ethno, elle est présente. Elle est présente dans les musées, elle est présente dans les parcs, elle est présente dans la plupart des projets scientifiques et culturels des établissements culturels qui sont de plus en plus attentifs aux problématiques ethnologiques, au moins à travers des interrogations larges sur les usages sociaux, sur l'interculturalité, sur le genre, aujourd'hui sur le handicap, sur les rapports à la nature, etc. Donc moi, j'ai l'impression que le discours de l'ethnologie académique, il fait son chemin. Il s'est diffusé dans la société, mais en même temps, il y a des limites, et c'est ce qui est un peu moins positif, c'est qu'on est dans un contexte quand même général de paupérisation des services publics, il ne faut pas se le cacher, et du coup, il y a une sensibilité générale que j'arrive à objectiver, à observer, mais il n'y a pas une véritable politique culturelle en termes de recrutement, par exemple. Hein, où est l'ethnologie? Est-ce qu'elle est une priorité quelque part? Sans doute, dans certains segments très précis au ministère de la Culture, mais dans les collectivités territoriales, c'est très rare. Or, il existe un réel besoin d'ethnologie dans les institutions à tous les niveaux, local, départemental, régional. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a constaté qu'il y avait des collections formidables d'ethnologie dans les musées qui sont labellisés musées de France, mais il n'y a pas de conservateurs qui sont formés pour s'en occuper, parce que la structure de leur formation est ainsi faite que, généralement, ces conservateurs préfèrent l'histoire ou l'histoire de l'art, qui sont des disciplines reines, des disciplines plus classiques, et ils sont parfois mal à l'aise avec l'idée de se former à l'ethnologie. Donc, je dirais que là aussi, il y a des choses à envisager pour faire progresser la place de l'ethnologie dans les institutions culturelles et véritablement arriver à ce que ces ethnologues actionnent cet idéal de participation ou de participativité en faisant des vraies enquêtes. Voilà. Merci. Sylvie, un point de vue de l'autre côté du sud de la France. Oui, de l'autre côté du Rhône. Et aussi bien enraciné. Oui. Alors, pour répondre à la problématique que pose Thomas, Claudie Voisenin aurait été beaucoup plus disserte que moi, puisqu'elle a accompagné le dossier des Fêtes de l'Ours, non seulement pour son inscription à l'inventaire français, mais aussi en tant que candidat pour une inscription sur la liste de l'UNESCO. Alors moi, c'est un exercice auquel je ne me suis pas encore confrontée. Je commence à peine, tout juste, avec l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse. Mais ce que je peux quand même dire à propos de la participation dans le cadre d'un ethnopôle comme le Garae, qui est implanté dans un territoire où la question du PCI est quand même un peu étouffée, écrasée par la norme monumentale du patrimoine, avec ses poids lourds que sont la cité de Carcassonne, les châteaux cathares, enfin châteaux dits cathares, les abbayes romanes, le canal du Midi, donc tous ces monuments qui dominent l'horizon patrimonial. Bien, cette injonction à la participation, pour nous, se combine avec la nécessité de familiariser les publics
à la notion de PCI, si du moins on veut être un peu raccord avec notre label Ethnopole, et puis surtout du fait qu'on est accrédité ONG par l'UNESCO au titre du PCI. Alors cela se traduit essentiellement par des collaborations avec des porteurs de traditions que nous associons à des actions de médiation qui jusqu'à présent ont pris différentes formes. Alors ça peut être des conférences illustrées qui associent un ethnologue et un porteur de tradition. Je pense notamment à la conférence qu'avait imaginée et préparée Marie Balthazar qui a travaillé sur l'orgue et les organistes. Donc elle nous a mis au point une conférence déconcertante qui combinait un texte littéraire et puis des illustrations proposées par le titulaire de l'orgue de la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne. Ça peut être aussi des ateliers découvertes pour les enfants. Ateliers découvertes donc sur, en particulier, c'est ce qu'on a fait il y a de cela pas plus tard que 15 jours, sur les savoir-faire des métiers autour du monument. Et puis, on s'est aussi essayé un exercice un petit peu plus expérimental, un atelier découverte par les enfants et pour les parents. Les enfants étaient envisagés comme des porteurs de tradition et ils étaient invités à raconter à leurs parents ce qu'ils font à la récré et ainsi amener les parents à toucher du doigt la notion de PCI à travers l'exploration de leur propre culture enfantine, leurs jeux, leurs comptines, etc. Alors, dans l'affaire, le PCI n'est pas le seul bénéficiaire. Cette injonction à la participation encourage notre créativité en nous incitant à de nouvelles formes d'écriture, de restitution, de visibilisation de la recherche. Et en ce sens, je dirais que l'implication de l'ethnologue dans la vie culturelle, son souci de la participation, n'ont pas pour lui, pour seule traduction, quelques lignes dans son rapport d'activité au chapitre « Diffusion et transfert de la recherche ». Et puis la discipline est aussi gagnante dans l'affaire, puisqu'elle s'offre une nouvelle visibilité, il me semble, et aux yeux de nos financeurs aussi une nouvelle raison d'être. Bon, merci pour ces rappels de la défense de l'ethnologie en tant que discipline qui peut dialoguer avec sa société de manière plus ou moins agile, plus ou moins facilité. Et justement, la dernière question que j'aimerais poser aux participants concerne un petit peu un enjeu un peu plus global et un peu plus épistémologique, mais qui me semble se situer au cœur de nos préoccupations dans cette table-là et qui nous soucie, je pense, tous en tant que praticiens de la discipline ethnologique. Moi, j'aimerais bien poser la question de savoir que vous inspirent aujourd'hui les rencontres et puis les bifurcations à propos de la notion de culture au sein du ministère et dans l'anthropologie contemporaine. Est-ce que finalement la critique du culturalisme et la culture de l'enquête ethnographique telle qu'on a pu la subir pendant à la fin du XXe siècle, est-ce que la puissance sociale du patrimoine culturel immatériel qui semble un petit peu comme un bulldozer écraser un peu notre discipline, les positions d'expertise qu'on nous demande de tenir et qui sont parfois inconfortables, est-ce que tous ces domaines, tous ces paramètres, est-ce que ce sont des opportunités que le champ social nous donne pour repenser ce que nous savons de ce que nous appelons, nous, la culture, ou bien est-ce que nous sommes un peu mal à l'aise et est-ce que nous ne sommes pas tentés parfois de nous désattacher de ces usages institutionnels d'un mot qui fait partie de notre héritage disciplinaire, celui de culture. Alors Thomas, tu avais lancé un peu la perche tout à l'heure ce matin pour l'ouverture, alors je te donne la parole en premier. Bah, je vais parler du point de vue du ministère de la Culture. C'est dans son intitulé. Parfois je rappelle aux collègues que le mot a été inventé par l'anthropologie, qu'il a pris une acception après plus restreinte. S'agissant du ministère de la Culture, on est d'abord dans les chefs-d'œuvre, dans les beaux-arts, et puis ensuite on voit une extension du domaine très progressivement. Mais ma raison d'être dans ce ministère, c'est justement d'élargir, comme je le disais ce matin,
l'acception au sens, à son sens anthropologique. Et je pense qu'il y a, on est à un moment aussi où cet enjeu revient par ce qu'on appelle les droits culturels. Et par le PCI, le patrimoine culturel immatériel, même si ce sont, on parle d'éléments du PCI, hein, je rappelle qu'à chaque fois une fiche reporte sur une pratique qu'il s'agit, à chaque fois j'insiste là-dessus, de replacer dans un tout pour ne pas l'isoler, ce serait par trop artificiel. Mais le paradigme du PCI, c'est ça, ce sont des éléments qui... dans leur ensemble, dont on peut prendre conscience en consultant un inventaire, que ce soit sur la liste internationale de l'UNESCO ou un inventaire national, met en évidence la diversité culturelle. Il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, c'est l'anthropologie du patrimoine. Du point de vue toujours du ministère de la Culture, c'est-à-dire que là, un ethnologue qui travaille avec une communauté sur, par rapport à sa demande à elle de reconnaissance, de sauvegarde d'une pratique culturelle, va aussi de manière réflexive travailler sur le processus de patrimonialisation. Et donc, à côté de la fiche d'inventaire, il va pouvoir livrer une étude ethnologique qui va justement rendre compte de son implication sur le terrain, de la posture de recherche qu'il a mis en œuvre, comment il s'est positionné, recherche appliquée, etc. Et finalement, ça devient l'usage de la culture, entre guillemets, comme le dit Maria d'Acuna. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est soutenu par le ministère de la Culture au titre des sciences sociales et de l'ethnologie en particulier. Donc une ethnologie de la France articulée avec le PCI et aussi une anthropologie du patrimoine et pas simplement. Donc la politique culturelle devient aussi un objet de l'anthropologie. En tout cas, c'est ce qui... C'est ce qui nous intéresse, c'est ce que je peux mettre en avant ici. Oui, c'est ce chantier de l'anthropologie du patrimoine. Ben, on a la chance d'avoir Sylvie Sanet avec nous, qui a été une des ouvrières de ce grand chantier qui a été ouvert en France, principalement par Daniel Fabre. Bon, il y a d'autres références au niveau international qu'on connaît et qu'on connaît maintenant en France et qui ont dialogué avec la pensée de Daniel, mais peut-être tu peux réagir sur cette... Oui, donc vous comprendrez que les recouvrements de la culture avec un C majuscule par la culture et par le patrimoine sont pour moi des objets bons à penser, à observer, à analyser. Ce parti pris se trouve dans la droite ligne du projet intellectuel qui était celui du laïc et que reprend à son compte aujourd'hui le laboratoire Héritage, comme du reste le GIS Patrimoine en partage, quoique sous un angle un petit peu plus étroit, plus particulier, celui des médiations, réceptions et appropriations. Il me semble que l'objectivation de ces mouvements et leur analyse justifie, on ne peut plus, la poursuite du dialogue avec le ministère de la Culture, parce qu'elle suppose, pour les uns comme pour les autres, deux bénéfices en termes de réflexivité. Pour les uns, dans la conduite de leur action au quotidien, et pour les autres, parce que, tout simplement, et ça c'est le béaba du métier d'ethnologue, même parce que c'est la condition de la scientificité de nos productions. Voilà. Donc en fait, ces rencontres et bifurcations à propos de la notion de culture, pour reprendre les termes de ta question, ben, ça m'inspire beaucoup d'intérêt. Laurent Sébastien. Oui, ben peut-être pour compléter, là, moi aussi, hein, j'ai eu, sur la notion de culture, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler. Dans mes travaux, j'ai abordé cette notion à la fois de façon plus pragmatique autour de la socio-anthropologie des processus de patrimonialisation et puis de façon aussi plus critique quand même autour de la déconstruction des processus d'invention des traditions. Mais c'est vrai que je regrette que beaucoup de mes collègues ethnologues s'arrêtent au moment critique. Et j'ai toujours dit, moi, que je refusais de jeter le bébé culture avec l'eau du bain culturaliste.
Le fait est que les défauts qui sont inhérents à la notion de culture, ils sont désormais bien connus en anthropologie. Mais dans cette situation, que pouvons-nous faire ? Ma crainte vient de l'hypothèse selon laquelle les notions piégées de l'ethnologie, la culture, mais aussi les notions de nation, d'identité, d'ethnie, de tradition, toutes ces notions qui sont des notions piégées, donc il ne faudrait pas qu'elles soient récupérées à des fins de militantisme identitaire étroit, alors que ce sont ces notions-là qui peuvent défendre le dialogue et la diversité des cultures si elles sont bien comprises et si elles sont bien utilisées. Une autre crainte serait que la culture soit réduite à une vision trop élitiste, trop coupée de la vie des gens ordinaires. Et à cet égard, je crois que l'ethnologie est vraiment un puissant levier pour renforcer des liens sociaux entre des groupes culturels différents, entre des différents groupes. Et il faut aussi ajouter à ça la place importante dans nos sociétés que prennent les arts vivants. Et pendant que nous parlons, je crois que des artistes militent en faveur de l'accès à la culture. Ce sont des débats importants et on ne peut pas les passer sous silence. Donc voilà aussi des raisons pour lesquelles la notion de culture me paraît toujours bonne à penser, comme tu as dit, Sylvie. Bien. Est-ce que vous voulez rebondir un dernier mot ou est-ce qu'on ouvre le débat à la salle ? S'il y a des questions dans la salle, levez la main et puis on va vous apporter des micros. Il y a une et deux questions déjà. Oui, bonjour, Victor Martinet. Donc, je représente les artisans bouchers que vous avez cités. Donc je pense qu'on va avoir un débat très intéressant. J'ai été vraiment ravi de découvrir ce film que je ne connaissais pas. J'ai reconnu un boucher que je connais, par contre, qui est rue des Moines à Paris. Donc je lui ai envoyé un petit SMS pendant la conférence pour savoir ce qui était devenu le jeune, justement. Donc, peut-être qu'on aura la réponse en direct. Donc vous avez cité la démarche qui est menée par notre profession. Donc on travaille depuis quelques temps. En fait, on a eu il y a une sorte d'intuition qui demande à être vérifiée par des recherches que le métier de boucher pourrait rentrer dans ce cadre du patrimoine immatériel. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que bon, j'ai suivi toutes les pistes que vous avez abordées. Au sein de la communauté de bouchers, quand vous avez parlé de communauté, je pense qu'il y a une réelle communauté de bouchers où il y a un sentiment d'appartenance à cette communauté. Il y a la question des savoir-faire qui sont transmis depuis que, je pense, on mange de la viande. C'est savoir-faire, c'est la découpe, génération. La découpe de la carcasse, hein, donc qui se transmet donc du maître à son apprenti, de l'artisan à son apprenti boucher. Et on a observé qu'il y avait en France une manière de transmettre ce savoir-faire particulière qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc ça, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi, comprendre en quoi elle est différente. Et alors, on a aussi des codes, des valeurs, des gestes qui sont propres, je pense, à cette manière de travailler la viande en France. On a aussi une diversité importante des morceaux qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Il y a un travail aussi, je pense, qui peut être mené auprès des noms de ces morceaux. Vous avez des noms assez poétiques, hein. Vous avez la surprise, vous avez le merlan, vous avez la poire, qui sont donc des morceaux qu'on ne retrouve pas toujours aussi dans d'autres pays. Et juste pour rebondir sur cette communauté, il y a un sentiment vraiment d'appartenance et de fierté d'appartenir à cette communauté. Et nous, on l'a observé quand
On a exprimé notre souhait de travailler justement avec des scientifiques sur cette démarche autour du patrimoine immatériel. Il y a eu une fierté de cette communauté pour essayer d'apporter. On a reçu de nombreux messages de soutien pour dire ah, c'est très bien, continuez comme ça. Et puis, on a aussi... hier, j'étais avec des bouchers argentins qui nous ont contactés parce qu'ils sont en train de monter une école de boucherie à Buenos Aires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école de boucherie en Amérique latine. Donc, ils sont venus nous chercher pour essayer de créer une école de boucherie en comprenant notre modèle et la manière dont on travaillait la viande en France. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si certaines personnes sont intéressées, même dans la salle, pour nous aider, parce qu'on a un besoin, de travailler sur cette communauté des bouchers qui se regarde dans le miroir, mais a besoin qu'on l'aide à se regarder dans le miroir. Voilà. Merci. C'était donc le bon coin du PCI, avec une petite annonce pour tous les garçons bouchers de France et d'Argentine. Et pour les ethnologues, oui. Je ne sais pas si vous voulez réagir, il n'y avait pas vraiment de questions, mais c'était un témoignage d'une communauté qui se manifeste. On avait une autre question. Je vois que le micro est déjà remonté vers le haut, mais on avait une question. Monsieur, si vous pouvez vous manifester comme ça, la personne peut vous donner le micro. Voilà, elle arrive. Oui, bonjour. Merci pour la table ronde et aussi surtout pour l'exemple. Il est magnifique, du garçon boucher. C'est effectivement, on a exactement le même problème avec les pêcheurs. Je ne suis pas pêcheur moi-même, je le regrette, quoiqu'il y ait une famille, une dynastie là derrière. Mais je travaille sur un domaine qui est un peu particulier, qui est les prud'homies de pêche. C'est-à-dire, c'est pas exactement un métier, c'est une fonction élue, une magistrature, une sorte de magistrature. Ça m'amène un peu à la posture du vous demandez la précision, une précision sur la posture du ministère de la Culture, parce que en fait, c'est très politique. Vous comprenez que en parlant des garçons bouchers, en prenant l'exemple que vous avez pris ce matin, la posture du ministère de la Culture est immédiatement dans l'artisanat, sur les démarches artisanales. Il n'y avait pas de boucherie industrielle représentée. Je ne sais pas si on va trouver ce type de profil professionnel et ce dont parlait monsieur, toute la culture dont il nous a fait parler, je ne sais pas si on va la retrouver dans l'industrie. Donc cette idée de posture, ça amène à une autre idée qui est, vous avez dit, que la communauté doit elle-même trouver, c'est proposer des actions de valorisation, pérennisation, etc. Et je crois que le fait de faire une fiche pour définir le patrimoine culturel immatériel, ne serait-ce que le décrire, c'est en soi un acte de valorisation qui engage tous les gens qui ont répondu à ça. Non ? Ben oui, en effet. À l'inclusion à un inventaire, on apporte une reconnaissance. On apporte une connaissance sur une pratique qui doit pouvoir être partagée le plus largement possible. Et on apporte aussi une reconnaissance, plus un inventaire national piloté par le ministère de la Culture. Donc il y a un effet de reconnaissance qui est indéniable et puis qui est souvent, recherché. Mais je ne sais pas si j'ai bien cerné la question de monsieur, mais en tout cas, là. Pour la première, je veux dire. Concernant les savoir-faire de la boucherie, je trouve que c'est assez éloquent et intéressant. Enfin, le film parlait de lui-même, puis là, vous êtes dans la salle, donc pour abonder dans ce sens.
Pour autant, il faudrait faire, c'est un sentiment que j'ai à chaud, il faudrait faire attention à ne pas limiter ça uniquement à la culture matérielle, ce qui serait une tentation commune dans le monde du patrimoine. Je veux dire par là qu'il y avait quand même des corporations de bouchers puissantes. Si on prend le cas de Paris, il y a une très belle thèse de Monica Salzbrunn sur le carnaval de Paris où elle montre la promenade du bœuf gras et la place occupée par la corporation des bouchers dans certains rites festifs locaux, et notamment au moment du carnaval. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ces connaissances continuent d'exister ou si elles ont été effacées progressivement par des vagues de technicité depuis l'époque moderne, depuis le 19e siècle. Mais il me semble que ça vaudrait le coup d'intégrer cette dimension-là à la fiche, parce que je veux dire, il y a quand même, du point de vue de l'anthropologie, des savoirs, c'est pas Daniel Fabre qui aurait désavoué ce que je dis là, je crois, qui concerne la relation entre les vivants et les morts, et c'est quand même quelque chose de très important du point de vue anthropologique, cette histoire-là que vous voulez travailler, pas seulement du point de vue patrimonial au sens strict, mais aussi du point de vue anthropologique. Oui, bien sûr. En fait, j'ai peut-être déjà dit, mais chaque occasion, là, on voit deux prises de parole, donc sur la boucherie, sur les savoir-faire de la boucherie, sur les prud'homies de pêche, qui est un sujet aussi passionnant, hein, puisqu'il s'agit de, il y a la notion de commun derrière, presque de droit coutumier. Et effectivement, pour un ethnologue, bon, c'est déjà répondre à la demande de cette inclusion à l'inventaire national, établir des mesures de sauvegarde, mais c'est aussi un terrain de recherche qui s'ouvre avec des problématiques à chaque fois. Là, tu en soulèves une, mais il y en a. Et donc, c'est aussi l'occasion d'un terrain de recherche et d'une recherche ethnologique au sens plein. Voilà. Oui, parce que les prud'homies, c'est la même chose. Il y a eu une technicisation de l'action, si je ne me trompe pas, de l'action des prud'hommes autour d'aspects de partage de l'espace, de partage de la ressource, des aspects légaux en fait, et administratifs. Mais si on remonte à l'histoire moderne, enfin au XVIe ou au XVIIe siècle, on voit surgir des codes, des rites, des valeurs et un lien aux limites, là, puisque c'est la pâture marine là, qui est en cause. Alors, une autre intervention de... J'allais dire de Monsieur Prud'homme, mais on ne peut pas dire comme ça. Oui, dans l'histoire des prud'homies, si, pour faire court, on ne va pas passer l'après-midi là-dessus, oui. Mais ils ont, dans un premier temps, au moment féodal, où on pouvait acheter du littoral et puis s'en faire une propriété privée et faire des pêcheries comme ça. Ils ont lutté contre la propriété individuelle sur le littoral. Après, il y a eu les Catalans qui sont arrivés de l'autre côté du Rhône, comme vous dites, avec des techniques de pêche que les prud'hommes ont eu beaucoup de mal à s'approprier parce qu'ils avaient l'impression qu'elles faisaient trop de pression sur la richesse des lieux. Maintenant, c'est la lutte pour la protection de l'environnement. En disant, on ne veut pas d'éoliennes à tel endroit, on ne veut pas de boues rouges, vous en avez entendu parler de ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, au fil de ces réflexions, s'est construite une notion qui a été reprise par les Américains, la notion de commun, et elle a été vraiment bien structurée. Maintenant, ça fait partie d'une culture professionnelle, dont les prud'hommes ne sont que les représentants des pêcheurs, donc on pourrait dire les pêcheurs en général. Ils ont ça dans leur discours, mais ce n'est pas du tout formalisé ou modélisé chez eux, c'est du sauvage, si j'ai assez m'exprimer. Et c'est pour ça que je parlais de politique, d'inscription politique de l'ethnologie, parce qu'à ce moment-là, il me semble que l'ethnologie, l'enquête ethnologique devient réellement une science politique, c'est-à-dire bien mettre en avant justement que ce n'est pas la technique qui a modifié les choses, ce n'est pas la technologie, mais ce sont des positions d'ordre politique, d'ordre droit,
général auquel s'est heurté un droit local. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? Je n'ai pas l'impression d'en voir. Ah oui, encore une. Ah. Alors la question porte sur le choix du film, elle s'adresse donc à Thomas. C'est lui qui est responsable. C'est un film qui a eu le prix du patrimoine culturel immatériel du Festival Jean Rouge, comme je l'ai dit, qui a eu d'autres distinctions d'ailleurs, qui a été fortement apprécié. On va présenter plusieurs extraits en amont des tables rondes. Là, le sujet était tellement large, on aurait pu choisir bien d'autres films. Il se trouve que celui-ci est arrivé sur la table dans la discussion et que vous l'avez dans les yeux. Et j'avais aussi en tête le fait qu'il y avait une démarche en cours, puisqu'on a déjà été contacté par un représentant de la communauté. Donc, c'était pour faire un lien. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Je voulais juste ajouter deux réflexions générales pour conclure cette table ronde. D'abord, celle de... Alors évidemment, le bilan est un peu contrasté, hein, on l'a entendu, tout le monde n'est pas d'accord sur la vitalité, le dynamisme et l'avenir de l'ethnologie au sein du ministère et réciproquement. C'est un point de vigilance, mais c'est un point de vigilance qu'on a aussi au sein de la communauté anthropologique. Hein. On sait que l'anthropologie, elle est considérée au même titre que les langues de l'Antiquité, comme une discipline rare. Donc il y a un point de vigilance très très fort sur l'ethnologie au sein des institutions de tutelle, que ce soit le CNRS ou les universités. Donc on peut avoir évidemment des points d'inquiétude. On est aussi des gens qui sont motivés et qui veulent défendre leur propre communauté, et pourquoi pas inscrire l'anthropologie sur la liste du PCI un jour. Il faudrait y penser, pourquoi pas. En tout cas, comme action syndicale, ce serait peut-être un peu visible. Moi, ce qui m'a intéressé dans la discussion de cet après-midi, c'est d'abord, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais en fait c'est ma faute, j'aurais dû le mettre au début, mais c'est la notion de réflexivité, parce que tout ce dont on a parlé, c'est un problème de réflexivité. Ce sont des questions de réflexivité, c'est-à-dire des gens qui se disent être quelque chose en particulier et différent des autres, et c'est pouvoir porter un discours sur soi-même. Et le porter au-delà de sa propre communauté. Et c'est quelque chose que nous, on travaille très fortement en tant qu'anthropologue, parce que quand on est un ethnologue, on est toujours déplacé, on est toujours au mauvais endroit quand on travaille, on fait vraiment jamais partie de la communauté dans laquelle on travaille, et on a tout un travail de remise en cause de notre position, de notre positionnement, et de savoir comment il faut faire pour se positionner. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partage avec les gens qui sont porteurs d'un projet de patrimoine culturel immatériel ou de reconnaissance de droits culturels plus généralement. Et puis la deuxième dimension que j'aimerais souligner, c'est l'importance de l'épaisseur historique des faits sociaux que nous regardons en tant qu'ethnologues dans le présent. Et que bien souvent, on a eu, dans les années 90, et notamment autour de la mission du patrimoine ethnologique ou la mission ethnologie, je ne sais pas comment elle s'appelait à ce moment-là, mais on a eu un volume de la collection de livres qui s'appelait « Vers une ethnologie du présent ». Ce qui voulait dire que l'ethnologie, jusqu'en 1991, ne s'occupait pas nécessairement de présent. J'ai l'impression qu'on a bien retenu la leçon, qu'on est tous des anthropologues du contemporain, mais voilà, et essayons de ne pas oublier l'histoire et cette épaisseur. Et pour revenir tout à l'heure, il y a le mot de déterminisme a été prononcé aussi. Je pense qu'il faut savoir un peu jouer entre les deux, entre les déterminismes historiques, sociaux, culturels, de genre, ou tout ce qu'on peut imaginer. Et puis peut-être notre propre réflexivité et notre envie d'être des gens du présent en train d'agir aujourd'hui parmi nous. Voilà, je remercie beaucoup les trois intervenants de cette table. Et on va céder la parole au suivant, je pense. Merci.
commencer le film, après je m'en vais. Donc on va lancer la prochaine table ronde. Donc si les Michel Agier et Frédéric Keck sont là. Oui. Voilà. Et avant ça, Thomas Moussa va nous présenter le petit extrait qui va introduire la discussion, la table ronde. Ben oui, c'est la coutume. Donc vous allez avoir un petit extrait de film presque pour chaque table ronde, en rapport ici, évidemment, avec à chaque fois avec le thème. Donc là, la pandémie. Alors, c'est un film récent d'une réalisatrice qui s'appelle Florence D'Artuis, qui s'est installée en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans. Elle a fait un premier film en Nouvelle-Calédonie, c'était son 2e long métrage, qui s'appelait Bombarder, EES, sur la violence conjugale qui touche les femmes en Nouvelle-Calédonie, et, qui est sorti en 2020. Et la même année, elle a tourné en fait, l'irruption de la pandémie sur tout le caillou, comme on l'appelle, sur toute la Nouvelle-Calédonie. Elle nous emmène donc notamment dans les tribus qui se demandent comment il va falloir mettre en œuvre ce confinement. Enfin, vous allez voir l'extrait. Et ce film est produit par une société de production toute jeune qui est basée à Nouméa. Voilà, donc maintenant on peut lancer l'extrait de film qui va durer à peu près 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comme prévu à votre invitation, on vient vous rencontrer pour discuter un petit peu des problématiques que vous rencontrez et de la situation actuelle, hein, relation avec le Covid. Et... On s'est réunis là à partir de 14h pour parler du coronavirus. Donc c'est vrai que tous les tribus sont très sensibles par rapport à cette maladie qui court depuis un certain moment sur le territoire. Si le Covid-19 rentre dans les tribus, comment nous on réagit quoi? Est-ce qu'on isole carrément la tribu? Est-ce que... Quand on parle de confinement, c'est facile dans les maisons à Nouméa ou dans le village. Dans la tribu, le confinement, c'est où ça commence, où ça finit. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de barrière, c'est les arbres, parce que c'est comme ça. Donc on dit le confinement, mais quand le gosse il passe derrière, il est, tout de suite il est chez le voisin, il est chez le cousin. Je pense que c'est par rapport à la tribu. Si c'est une tribu qui est étendue sur un territoire assez large, ça ne peut pas être la même réponse qu'une tribu où toutes les maisons sont resserrées. Ça sera du cas par cas, on s'adaptera à la situation. Tous les cérémonies coutumières et tout, on a déjà tout reporté. Soit le fait des ignames, ce soit comme il a dit le président, on va pouvoir adapter. La seule chose qu'on s'est réunis à 2h pour discuter du jeu, c'est que s'il y a un décès, demain la personne il décède du Covid-19, comment ça se passe? Est-ce qu'il est incinéré? Est-ce qu'on peut l'enterrer comme ça? Est-ce que la décision du conseil, c'est de dire qu'il faut enterrer le plus rapidement possible. Il n'y a pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent et tout, qu'on ne traîne pas. Maintenant, est-ce qu'au niveau médical, au niveau de la loi, est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est aussi ça la question. Je pose à la question officielle. Voilà. Quelles sont les précautions sanitaires? Voilà. S'il y a un cas, je pose à la question. Parce que le décès, ça attire du monde et tu as des familles qui viennent de l'extérieur pour venir accompagner le mort. Ben, s'il y a un décès, donc c'est l'oncle maternel et la famille en elle-même. Voilà. Donc limiter les personnes qui vont, voilà. Qui voilà. vont venir voilà. ailleurs que voilà. de la tribu. Voilà. Et après, même au sein de la tribu, est-ce que vous avez l'intention de limiter un petit peu l'affluence? Oui. D'accord, tout à fait. Aussi. Tout à fait. C'est tout sûr, fait. C'est une bonne intention. Ça respecte un peu les... toutes les consignes de non-rassemblement, justement, de plus de 20 personnes. Donc c'est vrai que ça bafoue la culture. Donc ça bafoue aussi notre façon de vivre. Et il faut qu'on lutte pour qu'à un moment, ça disparaisse, puis on vit comme on a vécu auparavant. Dans la société kanak,
Il y a de façon très forte la mémoire collective que les épidémies, l'arrivée d'une maladie extérieure, c'est dangereux pour la société. De façon beaucoup plus forte que les non-Kanaks en Calédonie. On voit très clairement que les Calédoniens y sont inquiets. Certains d'entre eux sont même, j'utilise le terme volontairement, ils sont terrorisés. La réaction insulaire, ça a été, nous on est tranquilles chez nous, peinards, on voit à la télévision comment ça déstructure la situation ailleurs dans le monde, et donc aujourd'hui, quelque part, l'ennemi, c'est pas tellement le virus, l'ennemi, celui qui nous met en danger, c'est l'étranger, même s'il est calédonien, même s'il est kanak, c'est l'étranger, celui qui vient de l'extérieur et qui va nous amener le virus. Bonjour à tous et à toutes. Je viens d'effacer par erreur l'ensemble de la liste des publications de Michel Agier, donc ça, je vais le faire de mémoire. Donc je suis très heureuse d'animer ce débat. Donc je vais présenter les intervenants. Ça tombe. Donc on va commencer par Michel Agier, qui est directeur de recherche à l'Institut Recherche et Développement et directeur d'études à l'École et aux études, en phase de jubilatio, c'est comme ça qu'on dit, je crois, en Espagne, et actuellement directeur du département policy de l'Institut Convergence Migration. Alors Michel a travaillé sur de multiples terrains dans de multiples pays, mais si je devais résumer, je dirais que, alors c'est personnel, mais qu'il travaille sur l'urbanité ou le refus d'urbanité, donc l'urbanité dans tous ses sens, que ce soit les quartiers, les zongos, les campements humanitaires, mais aussi les campements, les camps ou la manière dont les gens font campement puis ville. Évidemment, ça pose la question de l'accueil, de l'hospitalité ou de l'inhospitalité, qui est finalement le travail que tu as développé depuis un certain nombre d'années en coordonnant de nombreux programmes de recherche, publications collectives ou personnelles sur la question de l'exil, des frontières, c'est-à-dire comment est-ce que finalement les gens font ville, font urbanité au sens de, on dit de quelqu'un qui est urbain, et puis comment il y a des politiques aussi qui essayent d'empêcher cette hospitalité ou cette urbanité. Donc tu as publié un certain nombre d'ouvrages. J'avais également préparé une image avec tous les livres que vous avez publiés, messieurs. Mais, donc, évidemment, une anthropologie de la ville, des travaux sur les campements. Je me souviens de gérer les indésirables. Ah ben voilà. Coordination, création de numéros, de revues. Un monde de camps qui était un collectif. Et puis, dernièrement, donc sur l'hospitalité, sur le refuge, les réfugiés. Et puis le dernier, vivre avec des épouvantails sur la question de nos peurs personnelles ou collectives pendant la pandémie. On va y revenir. Frédéric Keck étudie la philosophie et il est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire d'anthropologie sociale. Frédéric aussi a mené de nombreuses enquêtes de terrain, plutôt sur les crises. Alors il travaillait d'un point de vue sur Lévi-Strauss, sur un certain nombre d'auteurs, notamment anthropologues, mais aussi depuis nombreuses années, des enquêtes ethnographiques sur les crises sanitaires, donc bien avant la pandémie. Tout son travail préalable nous permet aussi de penser la pandémie comme, non pas comme quelque chose qui arrive, un phénomène unique et nouveau, mais ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne sur la question de ce qui se transmet entre les hommes et les animaux, donc les grippes aviaires, porcines, les questions de normes, de biosécurité. Voilà, comment est-ce que se pense, d'un point de vue santé publique, mais aussi dans les relations entre les humains et les animaux, ce rapport à la transmission, mais aussi avec la question des chauves-souris, on y reviendra, ce que ça veut dire, ce que peuvent être ces animaux, notamment comme sentinelles. Donc à la fois une sociologie des sciences, une sociologie des risques, une anthropologie des rapports
à la nature, voilà, plus que ce que nature. Donc je vais lancer avec quelques questions, mais qui sont évidemment indicatives, une première série de questions qui sera peut-être finalement la manière dont donc la thématique de cette table ronde, c'est le rapport entre pandémie, attachement et incertitude. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, ce que je disais à Frédéric, c'est que j'étais au Sénégal pendant toute, et au Bénin pendant toute la durée de la pandémie, et je recevais une espèce de gimmick de collègues en France qui disaient « J'espère que vous allez bien en ces temps incertains ». Et en fait, effectivement, la question de la certitude et des certitudes, ben, elle se pose différemment suivant le pays dans lequel on se trouve. Et je me demandais toujours, finalement, est-ce qu'on mettrait le reste du temps, est-ce que vous allez bien en ces temps certains ? Et donc, la manière dont, finalement, en Occident, on a vécu ceci comme une incertitude, ça nous dit aussi quelque chose dans ce rapport à la sécurité ou à la sécurisation, et évidemment c'est vécu différemment dans d'autres pays. Donc pour cette série, les premières séries de réflexions, je voudrais peut-être que vous reveniez sur comment vous avez vécu cette pandémie et finalement ce rapport à l'attachement en fait. Qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui nous lie, les observations que vous avez pu faire de là où vous étiez, de ce que vous avez vu, alors observations ce que vous avez vu, mais aussi ce que vous avez pu lire, entendre, écouter, dans finalement, qu'est-ce qui reste, hein, ça a été évoqué ce matin, hein, qu'est-ce qui nous attache quand on est séparé par ce moment mondial qu'a été la pandémie, et puis ensuite on parlera de questions plus d'analyse globale, de justement les incertitudes scientifiques, etc. Je ne sais pas qui veut commencer, comme vous voulez, Michel, cette... voilà... Bonsoir, bonjour, oui ça va, on entend je crois. Merci beaucoup, merci Saskia et merci pour l'invitation. Sans attendre plus, je peux me brancher sur les derniers mots du film qu'on vient de voir, qui viennent du Nil et d'où l'on dit l'ennemi c'est l'étranger. Et ça m'a fait penser immédiatement... C'est un clin d'œil aussi à Frédéric. Ça m'a fait penser à Lévi-Strauss et au mythe de l'insularité auquel toute identité est associée. On est sur une île et on a peur de l'étranger. Je trouve que l'image est très forte. Et ça me permet de répondre à ta question. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qu'on a vécu l'an dernier un peu plus, un an et demi, ce qu'on a vécu d'abord, en tout cas ce que j'ai ressenti d'abord très fort, c'est quelque chose à propos de la sécurité, comme tout le monde, dans l'enfermement. Donc évidemment, confinement, enfermement, etc., j'aurais pu penser, et je l'ai fait dans un petit article clin d'œil à Libération, en disant, ben voyez, on a l'impression d'être comme des réfugiés dans des camps, mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque nous, ça nous protège, nous, alors que... Quand on met des réfugiés dans des camps, effectivement, ça peut être où on leur dit que c'est pour les protéger, mais c'est aussi pour protéger les autochtones de la présence des réfugiés qui, souvent, quoi qu'on en dise, sont plutôt indésirables sur le lieu où ils arrivent. Et donc, une fois passé ce clin d'œil, c'est l'acceptation que nous avons tous eue spontanément de ce phénomène d'enfermement, de confinement, même avec ces caricatures qui ont fait rire ou qui ont fait mettre en colère les uns et les autres avec le ridicule la ridicule auto-autorisation que devions nous faire quand nous sortions de chez nous, etc. Mais ça m'a fait penser et ça m'a installé une réflexion que d'autres ont eu aussi sur le rapport entre la sécurité et l'immunité. L'immunité est évidemment un fait sanitaire qui fait partie de ces choses qui seraient a priori indiscutables, puisque c'est le corps, la maladie et tout ce qui va avec, la souffrance ou la mort. Et donc c'est quelque chose qui serait indiscutable. Et pourtant, l'immunité entre aussi dans une dimension sociale et politique. Et là-dessus, je pense à deux philosophes. Alain Brossa, La démocratie immunitaire, en 2003, et... Tout récemment, en tout cas en français, Roberto Esposito, dont on a traduit le Immunitas au début de l'année 2021, mais l'ouvrage date de 2002. Pour Roberto Esposito, l'immunité en temps de pandémie et au sein de nos États démocratiques européens est, dit-il, une politique à l'horizon de laquelle les individus se trouvent associés sous la forme de leur dissociation. Donc là, on est en plein attachement-désattachement, si on peut dire.
les démocraties libérales se prétendent capables d'immuniser les corps, les espaces et les esprits, c'est-à-dire cette l'immunisation est beaucoup plus large que les seuls corps ou la seule maladie, de leur population de citoyens, qui est citoyen a droit à l'immunité, et de leur territoire, contre toute extériorité menaçante, virus ou étranger, le virus étant encore plus étranger quand on dit c'est un virus chinois ou une grippe espagnole, etc., etc. Et pour Alain Brossa, donc déjà bien 20 ans plus tôt, enfin 20 ans, ou en même temps en fait en réalité que Esposito, mais en français 20 ans plus tôt, l'immunisation progressive promise à chaque individu citoyen va de pair, dit-il, avec une plus grande indifférence au monde et aux autres, ce que Brossa nomme l'insensibilité amnésique, une opposition donc dedans-dehors, une frontière constante, mouvante, se trouve donc radicalisée. Et on a fait finalement que faire cette expérience-là d'immunité-sécurité, jusqu'à maintenant encore un petit peu, avec tous ces mécanismes, et bien sûr, d'un certain côté, tout ça est indiscutable, et je surtout pas le discuter, je suis vacciné, j'autorise doublement vacciné, j'autorise mon passe sanitaire, je mets mon masque, etc. Mais simplement, je pense que c'est bien d'avoir cette réflexivité, et donc on a tout un tas de gestes qui vont dans ce sens-là, immunité avec sécurité, enfermement avec, comme le dit notre collègue archéologue, depuis son île, faire de l'étranger un ennemi. Donc le masque, ne pas se toucher, rester à distance et tous les gestes de distanciation des corps. Donc on l'a ressenti dans les corps. Le mot d'immunité va avec le corps et le mot de sécurité va avec l'esprit, si je peux dire. Tout ça étant mêlé. Et donc juste pour montrer peut-être cette relation, et puis voilà, aller vite dans mon raisonnement et puis conclure. Au début, lorsque nous commencions à être confinés au mois de mars, il s'est passé un événement intéressant mais dramatique, ou dramatique mais intéressant, dans cette frontière européenne qu'est la frontière entre la Turquie et la Grèce, où, comme vous savez, il y a depuis longtemps des passages de migrants en demande d'asile et qui, donc, au moment où ils passent la frontière, se trouvent en situation dite irrégulière, encore que selon le droit international, ils ne sont pas en situation irrégulière, mais selon les États qui se trouvent là, ils peuvent être considérés en situation irrégulière. Donc, ce qui s'est passé, un événement qu'on n'a presque pas vu à cause du début du confinement en France, c'est qu'il y a eu pendant quelques jours, vous savez, ce moment où la Turquie a dit si vous ne me donnez pas tous les millions de dollars d'euros que je vous ai demandé, je lâche les migrants. Et ce qui a été fait, alors il avait menacé 1 million de migrants, en fait il y en a eu 10 000 seulement, parce que le montage était complètement fictionnel. En réalité, il n'y avait pas du tout autant de gens qui se bousculaient à cette frontière, comme en général les nombres sont multipliés par 10 ou par 100 quand on veut traiter ce sujet. Mais ce qui s'est passé là, c'est que la police et l'armée étaient effectivement à la frontière européenne de la Grèce, des représentants de la Commission européenne sont venus dire et faire des déclarations. Oui, il faut militariser, il faut la police. Si vous faites un pas de plus, vous vous mettez en danger. Plus aucun discours humanitaire à ce moment-là. Il avait disparu, alors qu'en général, il est toujours récurrent. C'est pour votre bien qu'on vous met à l'écart, etc. etc. Là, ce n'était plus du tout le cas. Et puis, il y a eu le groupe de chercheurs militants de Forensic Oceanography a pu reconstituer tout un tas de, à partir de photos, filmages, etc., une série de scènes dans laquelle on voit effectivement l'armée tirer sur des migrants et tuer un migrant. Et donc, dans une perspective foucaldienne, on n'est plus seulement dans le laisser mourir pour ceux qui ne sont pas citoyens, mais on est dans le faire mourir. Et donc, un mort et 7 blessés pendant cette scène-là, simplement, en quelques jours, à la frontière européenne. C'est intéressant parce que les tirs aux frontières, on sait que maintenant, il y en a en ce moment même, il y en a dans les Balkans, avec des policiers qui tirent effectivement sur les migrants. En général, on dit plutôt en Europe
qu'effectivement, ben, on constate des morts, etc., en accusant les passeurs, en accusant tout un tas de choses, le manque de régularisation, le manque de régularité des mouvements, etc. Mais en général, on n'assume pas les tirs sur les migrants. Or là, c'est bien ce qui s'est passé. Et pour moi, je fais l'association entre cette panique et cette peur-panique qui nous a environnés, la peur-panique qui a aussi saisi les dirigeants européens, les dirigeants nationaux, les dirigeants européens, et cette attitude que je dirais réflexe, d'une certaine façon, n'entrait pas en tir. Et voilà, je pense que ça participe un petit peu de ce que peut faire cette association de plus en plus serrée entre immunité et sécurité. Ah, merci, Michel. Alors, Frédéric Oui, je voudrais dire quelques mots sur la façon dont cette pandémie révèle nos attachements et nos incertitudes dans nos relations avec la nature. D'abord parce que j'ai eu la chance de passer cette pandémie, enfin surtout sa première étape, le premier confinement, dans une maison à la campagne, qui est en fait ma résidence principale dans la forêt de Fontainebleau, donc qui est un foyer familial avec un chat et deux poules. Et donc c'est de là que j'ai vu la façon dont la pandémie mobilisait des images et des craintes dans nos relations avec les animaux, qui est le sujet sur lequel je travaillais depuis une dizaine d'années. Alors d'abord, on a eu effectivement cette hypothèse d'un virus qui venait des chauves-souris et qui se serait transmis par des pangolins dans le sud de la Chine. Alors le pangolin, l'hypothèse a ensuite été retirée puisqu'on a trouvé du virus Covid-19 sur des pangolins de Malaisie. Donc c'est sans doute secondaire par rapport à la chaîne de transmission. Mais par contre, effectivement, la chauve-souris, c'était l'hypothèse sur laquelle on travaillait depuis le SRAS, hein, en 2003, un virus très proche de celui de la Covid-19 qui, effectivement, venait des chauves-souris. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles les chauves-souris sont des bons transmetteurs de virus aux humains. Donc, dans un premier temps, on a eu des images d'animaux très exotiques, les chauves-souris, les pangolins, tous ces animaux qu'on trouve en Chine qui seraient consommés dans la médecine chinoise traditionnelle. Et puis ensuite, on a eu des comportements assez irrationnels, mais dont la rationalité se comprend justement du point de vue de l'attachement, dans nos relations avec nos animaux domestiques. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des chiens, puisqu'on avait le droit, on avait l'autorisation de sortir un peu plus longtemps si on promenait son chien, ce qui a conduit d'ailleurs à beaucoup d'abandons de chiens dans l'été qui a suivi, et par ricochet à une législation sur la nécessité de déclarer ces chiens. Donc les chiens domestiques ont maintenant un numéro d'immatriculation comme les individus humains, parce qu'il y a eu vraiment effectivement cette inflation du nombre de chiens domestiques. Alors, il y a eu une petite incertitude sur la possibilité de transmettre le virus par les chiens, mais elle a été assez vite levée, puisque à Hong Kong, il y avait un chien qui avait du virus simplement sur les poils, et les chiens ne répliquaient pas le virus, à la différence du chat, qui lui répliquait le virus, mais à faible dose, donc pas suffisante pour transmettre aux humains. Mais suite à cette information, il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à nettoyer leurs chats avec du gel hydroalcoolique, et ça a conduit à des consultations de chats complètement en coma éthylique chez des vétérinaires. Donc voilà, nos animaux domestiques les plus proches ont été impactés dans leur relation avec les humains. Et puis d'autres animaux qui sont ni sauvages ni domestiques, mais qui sont alors des animaux de laboratoire ou de rente, c'est-à-dire des animaux qu'on a un peu transformés pour répondre à nos besoins et à nos questions, qui sont les furets et les visons. Alors, vous avez entendu parler de cet abattage massif de visons qui a eu lieu au Danemark, 12 millions de visons qui ont été abattus parce qu'ils répliquaient pour le coup le SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19, mais ce virus leur avait été transmis par des ouvriers, donc une dizaine d'ouvriers qui travaillaient dans ces élevages, mais concentrationnaires de visons. Donc au Danemark, il y avait eu un premier cas aux Pays-Bas déjà en juin, puis un foyer en novembre 2020.
Et cet abattage massif qui a été suivi d'un enfouissement, et puis il y avait tellement d'animaux que le sol a commencé à bouger, il a fallu à ce moment-là les brûler. Donc vraiment un phénomène de gestion d'une masse animale qui rappelait les pires souvenirs, notamment la gestion des charniers de vaches folles à la fin des années 90 en Europe. Donc là, on voyait comment les animaux domestiques pouvaient être impactés par une maladie nouvelle du fait qu'ils sont en relation avec des humains, mais qu'ils sont pas considérés véritablement comme des sujets. Et cette histoire m'a intéressé, non seulement parce qu'elle rappelait ces épisodes de la vache folle sur lesquels j'ai un peu commencé mes recherches, mais aussi parce que le furet est un animal de laboratoire pour les virus respiratoires, notamment la grippe. C'est le seul animal qui réplique les symptômes de grippe, qui éternue comme les humains. Donc à la fois un animal consommé pour sa peau, pour sa fourrure, donc vraiment réduit à un pourvoyeur de matière, et en même temps un animal dont la physiologie est assez proche de la nôtre. Donc voilà, un peu trois types d'animaux, les animaux sauvages de Chine, les animaux domestiques de nos foyers, et puis ces animaux de laboratoire et d'élevage, dont on ne sait pas exactement s'ils sont sujets et objets, mais dont la possibilité d'être transmetteur nous interroge. Et effectivement, ce qui est assez intéressant aussi, c'est pour justifier ces abattages massifs de visons, on ne pensait pas du tout que les visons allaient transmettre la maladie aux humains, mais il y avait la possibilité que le virus qui circulait chez les millions de visons puisse muter. Et c'était au moment où on pensait que le virus était assez stable. Et donc l'abattage a été justifié par le fait qu'on ne voulait pas que les visons deviennent un nouveau réservoir animal. Et ce concept de réservoir animal, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y a des mutations de virus justement incertaines et qu'il faut anticiper pour ne pas avoir des virus pathogènes, résonnait beaucoup avec mes recherches. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais en fait, entre les observations qu'a fait Michel, ce que nous avons entendu sur ce qui se passait aux frontières, et qui se passe toujours d'ailleurs, même actuellement en Pologne, et ce que tu as dit sur la manière dont on a géré donc ces non-humains, ces animaux, parce qu'il y avait potentiellement un risque. Ça crée une conjonction entre vos deux témoignages et le rapport à ce qu'on fait au nom de la sécurité sanitaire qui vraiment pose des questions très très graves en fait, hein, sans vouloir faire il y a une espèce de continuité en fait entre vos deux témoignages que je trouve personnellement très, très effrayant en fait. Et ça me suscite deux types de questions. Comment on fait quand on est ethnologue, anthropologue, comment on observe ça, comment on restitue, et puis justement comment on travaille sur cette question. Donc il y a ce qui nous a rassemblés ou ce qui nous a attachés pendant ce moment-là, ce que nous avons vu était aussi lié à nos objets de recherche respectifs, et puis il y a toutes les incertitudes que ça a soulevées, donc incertitudes politiques, incertitudes scientifiques, incertitudes sur l'état des relations internationales, sur ce que c'est la science, enfin peut-être je vais y revenir après, mais peut-être dans un premier moment, par rapport au fait de ce que vous avez vu, de ce que vous venez de nous resituer, ce que ça soulève aussi en tant que chercheur, mais aussi en tant que, d'un point de vue déontologique, enfin, comment on observe et comment on restitue ça. Puis après, on viendra peut-être d'une discussion sur le rapport à la science et au complot, notamment. Comme vous voulez. C'est difficile de répondre à ça parce que précisément pendant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sans possibilité de contact et qu'on ne peut pas faire d'anthropologie si on n'a pas de relation avec les autres. Donc moi, ce que j'ai fait pour avoir cette réflexion que j'ai eue sur autour de la peur finalement, mais je n'avais pas prévu au départ que ça m'amènerait sur cette question de la peur, c'est d'essayer à la fois de reprendre par une espèce d'association d'idées ou d'association de mémoire que je pouvais avoir de terrain, de me mettre en relation avec des autres que j'avais rencontrés sur d'autres terrains. Je parle beaucoup de la Colombie ou je parle de,
je parle de l'Afrique, etc. Et avec d'autres auteurs. Alors, petite pirouette, simplement pour pouvoir dire que ce qui, au-delà de cette question sur l'immunité et la sécurité, et tu viens d'insister effectivement sur cette présence de l'inquiétude sécuritaire, moi, ce qui m'interrogeait, c'était comment est-ce qu'on définit l'insécurité ? Et c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et même l'insécurité culturelle, par exemple, ou l'insécurité alimentaire, l'insécurité, toutes sortes d'insécurités. Et à partir de là, je vais en dire un mot, mais ce que je veux dire pour répondre de cette manière à ta question, c'est qu'il nous faut définir un objet d'anthropologue avant de savoir comment on va faire pour enquêter. On est là sur des objets qui sont des ressentis. Alors, pour Frédéric, je pense que c'est pour ça que je faisais un clin d'œil, je pense que pour lui, c'est plus direct. Quand on étudie et ce que tu as étudié sur les animaux sentinelles, par exemple, etc., c'est de la pratique. C'est de la pratique que tu as observée. Moi, là, ce qui m'a intéressé dans ma réflexion, c'est des ressentis, c'est des sentiments, c'est des... et notamment pour déboucher sur la peur, où je me suis aperçu finalement qu'il y avait très peu de travaux sur la peur, sur est-ce qu'on peut faire une anthropologie de la peur. Alors déjà sur l'insécurité, je crois qu'il y a deux éléments qui nous plongent tous dans l'insécurité et qui justifient, quand je mets justifie, c'est entre guillemets évidemment, mais qui fait le terreau pour les politiques de la peur. Ben c'est la double perte que représente à la fois en Europe occidentale, dans le monde occidental, mais aussi en Afrique, en Asie, même si c'est dans une moindre mesure, la perte des références communautaires, de tout ce qui nous rassure, ce qui rassurait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, dans le fait qu'ils n'avaient pas tellement de questions à se poser sur les choix à faire dans la vie, tout leur était dicté par une inscription communautaire, voire linéagère, dans une filiation, dans un lieu très précis, très ancré, et donc tout était donné par un certain nombre de statuts. On peut dire que d'une certaine façon, sur certains terrains, dans certains lieux en Afrique, et encore, je crois que c'est déjà très remis en cause, dans certains lieux en Amérique latine, et également, je pense que c'est beaucoup, en réalité, remis en cause par les phénomènes d'urbanisation, individualisation, etc. Donc, je crois qu'on peut dire que c'est un sentiment qui se généralise à l'échelle mondiale, ce détachement, là, pour le coup, on est dans un détachement des références communautaires linéagère, familiale, rassurante. C'est pour ça que nous sommes tous à chercher nos filiations, nos racines, une petite maison quelque part pour nous ancrer, nous réancrer en permanence quelque part. Et donc il y a ce vide qui est très, très existentiel et qui peut être très mélancolique. Et je crois que ça fait partie aussi de notre réalité des mondes occidentaux, cette mélancolie de ce lien perdu dans la communauté. Et c'est un facteur d'insécurité, c'est-à-dire qui appelle des figures paternelles, maternelles, familiales, etc., autour de soi, qui vont nous rassurer, même si elles ne sont pas parfaitement démocratiques. L'autre perte et l'autre insécurité, elle est créée, je crois, aussi à un niveau qui serait plus sociologique. Et là, je redis quelque chose que d'autres, comme Zygmunt Bauman, a beaucoup dit sur la liquidité, la liquidification des sociétés, c'est-à-dire la perte de ces supports institutionnels, avec une période qu'on peut situer dans les années 80-90, qu'on peut évidemment situer dans la sortie de la guerre froide et l'ultralibéralisme qui a envahi un peu la planète, et donc la désinstitutionnalisation des États, ce qui fait que tout ce qui, dans les institutions, nous rassure ou nous rassurait, l'emploi, les services de l'État, l'école, etc., de plus en plus prend le caractère de quelque chose de non automatique, de non public, qui n'est plus offert comme un service public qui nous entoure et qui, là aussi, nous protège, que ce soit aussi la sécurité sociale, les assurances, etc. Tout ça se liquéfie, se privatise, devient moins accessible et moins égalitaire, et donc entraîne aussi
du sentiment, d'insécurité. Alors voilà, moi pour ça, c'est ça qui est un petit peu le cadre dans lequel, je dirais, il faut étudier les gestes et les pratiques liées à l'insécurité ou à la peur. C'est un petit peu la question que je me suis posée là. J'ai donné quelques pistes, mais peut-être qu'on pourra revenir dessus tout à l'heure. Alors Frédéric a commencé à travailler bien avant la pandémie telle que nous l'avons vécue, puisqu'en fait tu travaillais depuis très longtemps sur ces questions-là, et donc c'est effectivement un peu différent, parce que finalement tu peux éclairer aussi ce qu'on a vécu par rapport à des terrains qui avaient été faits avant, donc peut-être que tu pourrais nous en dire quelques mots. Alors effectivement, moi je travaillais depuis 2005 avec les virologues qui étudiaient les mécanismes de transmission de la grippe aviaire, c'est-à-dire toute la chaîne par laquelle les virus de grippe se transmettent des oiseaux aux porcs et aux humains, donc avec l'arrivée du H5N1 en Europe en 2005, et puis ensuite la grande mobilisation mondiale contre la grippe porcine en 2009. Et ces virologues travaillent dans le sud de la Chine, et ce sont les mêmes qui ont découvert les mécanismes de transmission du SRAS, donc des chauves-souris aux animaux des marchés chinois vers les humains. Et donc ces virologues, je les ai suivis dans les différents lieux où ils étudient le risque de transmission des animaux aux humains, donc ce risque de zoonose, hein, de maladie transmissible des animaux aux humains ou dans le sens inverse, hein, comme on l'a vu avec les visons. Alors pour moi qui venais de la philosophie, c'était très excitant d'aller dans ces fermes, ces marchés, ces douanes aussi, où ils allaient étudier tous les modes de relations entre humains et animaux qui pouvaient transmettre des pathogènes. Et le terme qui rassemblait ces différentes pratiques, c'était le terme de biosécurité. Effectivement, ça pouvait paraître un terme extrêmement réducteur, parce que si on l'ouvrait, on voyait que les conceptions du vivant et de la sécurité étaient extrêmement diverses selon qu'on était éleveur, observateur d'oiseaux, contrôleur de douane. Donc j'ai un peu fait la carte de ces déplacements des virologues. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement les différents sens de la frontière qu'ils mobilisaient, puisqu'il y avait, comme l'a dit Michel, la frontière politique, puisqu'il faut contrôler comment des humains et des animaux passent par exemple de Chine vers Hong Kong et ensuite transmettent des virus qui peuvent prendre l'avion. Il y a les frontières entre espèces, et puis il y a la frontière entre moi et l'autre, la frontière entre les organismes. Et de ce point de vue, ce qui m'a intéressé, c'est justement la conception de l'immunité que développaient ces virologues, parce qu'elle était assez éloignée justement de la conception un peu occidentale de l'immunité comme construire une barrière entre moi et l'autre. Voilà toute une tradition de la souveraineté européenne que décrit bien Esposito. L'hypothèse de ces virologues, en lien avec des travaux d'immunologistes récents, c'est qu'il y a donc deux systèmes d'immunité. Il y a un système inné qu'on reçoit justement des générations précédentes, donc de tout un passé de l'espèce en fait. Et puis un système d'immunité acquis, qui est dans notre propre histoire de rencontre avec des pathogènes, les informations qu'on va produire pour anticiper les prochains microbes qu'on va rencontrer. Donc le système d'immunité est à la fois une mémoire spécifique, collective, et une mémoire individuelle que nous avons en nous pour gérer l'incertitude de nos rencontres avec les autres vivants qui sont porteurs de microbes. Et il y a donc une hypothèse très forte pour expliquer que parmi tous les microbes que nous rencontrons, dont 99% sont neutres, voire positifs, certains deviennent pathogènes, voire très pathogènes, c'est que quand ils franchissent les barrières d'espèces, les microbes arrivent à contourner le système d'immunité acquise et va provoquer le système d'immunité inné qui, en quelque sorte, panique, parce qu'il ne reconnaît pas, la mémoire de l'espèce ne lui donne pas les moyens de reconnaître l'information génétique
du nouveau microbe. Alors que notre système d'immunité innée nous permet, par exemple, de nous protéger contre la tuberculose, la peste. Alors, bien sûr, le système d'immunité, il y a un autre système d'immunité acquise qui vient, lui, de l'artifice de la vaccination et qui nous permet de redoubler cet héritage de la mémoire spécifique. Mais donc l'idée, c'est que les cellules que nous avons dans notre système immunitaire pour capter cette information et la transformer en anticorps ont été contournées et ça a conduit à un déraillement du système immunitaire un peu comparable à ce qui se passe dans un ordinateur quand l'ordinateur ne reconnaît pas l'information que vous lui donnez et qui se met à bugger, à tourner en rond. Et un anthropologue qui s'appelle David Napier a comparé, après des recherches très intéressantes qu'il a faites sur des masques à Bali, a comparé le système d'immunité acquis à un moteur de recherche. Donc l'immunité, ce n'est pas seulement une façon de se protéger, c'est une façon d'aller à la rencontre des microbes pour essayer de faire matcher leur information avec la nôtre. Or, ce système d'immunité acquis, si vous me suivez, qui va à la rencontre des microbes, on l'appelle sentinelle. Et c'est des cellules sentinelles, c'est la couverture de mon livre en français, qui ont justement beaucoup de ressemblances avec les cellules de notre cerveau, parce qu'elles peuvent étendre des bras justement pour capter le maximum d'informations. Et donc l'hypothèse immunologique, c'est que si les cellules sentinelles ne font pas leur rôle de capter l'information du microbe, ça va être les cellules immunitaires beaucoup plus lourdes, beaucoup plus maladroites, celles qui viennent du passé de l'espèce, qui vont faire leur travail, mais de façon grossière et souvent en déraillant et donc en voulant écraser le pathogène par ce qu'on appelle une tempête de cytokines, c'est-à-dire une espèce d'emballement de signaux chimiques qui vont causer la mort de l'organisme. Et aussi bien pour la grippe aviaire que pour le SRAS, que pour la COVID-19, la plupart des morts de ces maladies qui donc viennent des animaux ne correspondent pas à un effondrement du système immunitaire, mais au contraire à un emballement du système immunitaire qui s'étouffe en quelque sorte sous ses propres signaux d'alerte qui sont excessifs par rapport à la réalité de la menace. C'est ce qui fait que le plus grand nombre de patients décèdent dans la deuxième semaine du Covid-19 et très peu dans les premiers cas où ils se contentent de répliquer le virus. Donc là, on a un rapport à l'incertitude qui est assez intéressant. L'incertitude vient du fait que le corps ne reconnaît pas l'information qui lui est proposée parce que le microbe vient de trop loin, en quelque sorte. Il a franchi trop de frontières. Et donc, au lieu d'avoir une relation modérée, une vraie rencontre, on a une relation enflammée, une relation passionnelle et pathologique. Et donc, moi, j'ai suivi comment ce concept de sentinelle se traduit de cette théorie immunologique jusqu'à des pratiques, par exemple des volailles non vaccinées dans une ferme qui vont être les premières à porter le virus, à en mourir parfois. Et donc, ça permet de lancer l'alerte assez tôt pour éviter justement d'abattre toutes les volailles dans un territoire et puis surtout de mettre en confinement les personnes. Et puis, ça conduit à la définition de certains territoires comme des sentinelles. Par exemple, au moment d'Ebola, on a vu le rôle des petits États d'Afrique de l'Ouest, comme Sierra Leone, Guinée, qui ont souvent une histoire coloniale, parce que c'est justement des lieux où il y a beaucoup de contacts avec le reste du monde. Et donc, quand il y a une maladie qui se diffuse, on voit bien les premiers cas avant que ça arrive dans le reste du continent. Donc voilà, moi j'ai fait d'abord une ethnographie des virologues qui traversent les frontières d'espèces et ensuite une sorte d'anthropologie des sentinelles pour essayer de comparer les différents lieux à la fois dans l'organisme, dans l'espace environnant et puis dans la géopolitique, différents lieux où on essaye d'avoir une relation avec les autres qui ne soit pas d'inflammation mais de rencontre et de production d'informations. Merci beaucoup. C'est très intéressant cette question justement des sentinelles qui sont nécessaires. Enfin, peut-être que j'ai tendance à métaphoriser un peu, mais je pense que dans la manière dont on peut entendre en fait et comprendre ce rôle important des sentinelles et aussi de finalement le patient meurt parce qu'il a surréagi au
si je comprends bien, un corps étranger, enfin un virus étranger, et que les sentinelles n'ont pas su finalement gérer cette rencontre. Je pense que c'est, enfin voilà, ça soulève en fait un certain nombre de questions sur ce rapport à l'incertitude et aussi sur la manière dont, en tant qu'anthropologue, on peut comprendre ce qui s'est passé à la fois dans les politiques publiques, donc que tu as évoqué, hein, mais aussi les politiques sanitaires, mais aussi et peut-être surtout pour finir sur la manière dont justement ça a déstabilisé. Peut-être parce qu'on a manqué de sentinelles, où ça a fini de déstabiliser une certaine relation à la science, à la médecine, à l'ordre social, au fait de croire que les gouvernements, en tout cas pour les pays occidentaux, peuvent venir nous aider. Enfin, il y a vraiment eu ce discours-là. En tout cas, moi, j'ai pu observer ce décrochage-là, hein, de rapport à l'État-providence comme quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un qui vient poser problème, justement notamment en raison du ridicule de certaines logiques, et puis cette conjonction entre des mesures sanitaires et puis des oppositions à des mesures sanitaires qui deviennent des oppositions aussi sécuritaires, enfin un mélange à la fois idéologique et politique qui pose vraiment question, et peut-être on pourrait parler de ça, sur les incertitudes que ça a suscité, non pas seulement sanitaire, même si évidemment c'est très important, mais sur cette filiation, ou peut-être ça c'est la fin de cette rupture en fait entre d'un côté les humains et de l'autre côté les non-humains, et donc dans cette filiation, mais aussi la fin de cette rupture entre l'État qui prendrait en charge les citoyens, une science qui prendrait en charge aussi, une médecine qui nous prendrait en charge, et puis cette remise en cause permanente, et notamment le rôle des réseaux sociaux. Donc vraiment peut-être pour ce dernier moment avant de passer au débat, comment on pense ça à partir des concepts que vous avez développés tous les deux, donc ce rapport à la peur, mais aussi la question des indésirables sur lequel Michel a beaucoup travaillé, la question de l'hospitalité ou de l'inhospitalité, évidemment la question de la frontière, et puis pour Frédéric, je pense que la question des sentinelles, et peut-être aussi dire un mot sur ces chauves-souris là qui sont et les mythologies qui sont liées à la pandémie, et comment est-ce que ça nous permet aussi de comprendre ce que nous avons vécu, mais peut-être aussi l'avenir ou les avenirs possibles, notamment dans le contexte du dérèglement climatique et des futurs éléments de pandémie à venir. Alors, pour le dire assez rapidement, parce que je pense que là, ça ouvre plein de champs de réflexion, d'interrogation et de programmes de recherche à faire. Mais pour moi, il y a eu cette question autour des frontières qui a été centrale, la frontière humain-animal, qui évidemment a été centrale, mais aussi l'évidence que nous étions dans un moment, et j'ai repris le terme de Ulrich Beck, dans un moment de cosmopolitisme forcé, c'est-à-dire nous avions beau dire que le monde ne nous intéresse pas, nous avions beau dire que nous voulons tourner le dos au monde, nous pouvions détester la planétarisation de nos vies, il n'empêche que ce qui s'est passé, c'est un phénomène cosmopolite, c'est-à-dire qui a traversé tout le monde. Alors, le deuxième terme qui m'est venu en tête, c'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé bien plus tôt, bien avant, sur des réseaux marchands africains, comme il y a eu toute une tradition de recherche sur ces thèmes-là pendant très longtemps. Mais précisément, c'est la notion de réseau. Et donc évidemment, en voyant, en écoutant ce que disaient les épidémiologistes, je réentendais ou je relisais la sociographie des réseaux des années 50 de l'école de Manchester, qui avait déployé énormément de sophistication la formation des réseaux en étoiles, les réseaux primaires, secondaires, tertiaires, etc. Et finalement, on retrouvait tout là-dedans. Et c'est vrai que l'analyse des réseaux permet de dire, par exemple, que la diffusion
planétaire du virus s'est fait sur les chemins de la métropolisation, de l'industrialisation, du tourisme, un terrain tout à fait intéressant pour Saskia. Et si on fait ce chemin-là, c'est un chemin qui, évidemment, passe les frontières nationales. Et donc, ce gap entre la mondialisation ou la mondialité même, la mondialité de ce phénomène, son caractère planétaire, et le nationalisme de la prise en charge des politiques publiques, nous a créé en fait un faux débat. C'est-à-dire, bien sûr, il faut renforcer les frontières nationales. Et bien sûr, vous voyez bien que tel pays réussit mieux que tel autre. C'est bien la preuve. Ben non, c'est pas la preuve, c'est les faits. Au contraire, si les politiques publiques sont nationales, eh ben, bien évidemment, on va avoir des effets nationaux sur les préventions, sur la diffusion du virus. Mais il n'empêche que le virus fonctionne, tourne autour de la planète, et on a l'image de Kant sur le cosmopolitisme d'Emmanuel Kant, qui nous dit, puisque la Terre est ronde, nous allons toujours nous rencontrer les uns les autres, autant bien s'entendre. Eh bien, là, puisque la Terre est ronde, le virus, ou un autre, ou encore un autre, circule à cette échelle-là, et c'est à cette échelle-là qu'il faut bien s'entendre pour faire une ou des politiques. Il est évident que, et ça a été dit depuis, donc c'est un peu là j'enfonce des portes ouvertes, mais il est bien évident que tant que le virus ne sera pas éradiqué dans un pays, eh bien, ça pourra encore tourner autour de la planète. Et donc, nous sommes tous dans une solidarité organique, comme dirait Durkheim, mais à l'échelle planétaire, nous sommes tous nécessairement solidaires à l'échelle planétaire, même si nous ne voulons pas l'être, d'où l'importance de la géopolitique aujourd'hui, de la manière dont les pays les plus riches se consacrent à la solidarité avec les pays africains, notamment d'Amérique latine, d'Asie, etc. Donc là, il y a tout un terrain qui, pour moi, est un terrain intéressant, un terrain de réflexion, en tout cas, sur la question des frontières. La dernière frontière, si on peut dire, entre nous, c'est celle du corps. La frontière, c'est la peau autour du corps. C'est ça, ma dernière frontière. Et donc, on comprend bien aussi de cette façon-là qu'il y ait ces attitudes qui se sont renforcées pendant la pandémie, de rétraction sur soi, d'auto-protection. Et je crois que c'est un effet à long terme, même si on le mesure, on a du mal à le mesurer, et on a du mal à définir quelles enquêtes nous permettraient de le mesurer. Mais au niveau des sociabilités, au niveau des usages de la culture, au niveau des relations interpersonnelles, il y a une augmentation de l'individualisme, il y a un renforcement de l'individualisme à travers toute l'expérience de la pandémie. Et donc là encore, bon, effectivement, une question qui tourne, à mon sens, autour de cette problématique des frontières. Alors, sur l'incertitude et la façon dont elle est gérée par la science, c'est vrai qu'au début, enfin, pendant cette pandémie, on s'est beaucoup tourné vers les experts pour répondre aux questions que suscitait ce nouveau virus, combien il y aura de victimes, est-ce que la vaccination serait efficace, est-ce que ça va muter, et donc est-ce que les mesures qu'on avait prises contre le premier variant seront efficaces contre les nouveaux variants. En fait, les scientifiques n'en savaient pas, puisqu'ils étaient eux-mêmes dans une course contre un phénomène évolutif d'autant plus rapide qu'il se produisait à l'échelle de la planète. Alors, c'est vrai que si on avait des attentes aussi fortes à l'égard des médecins ou des biologistes, des épidémiologistes qui se sont succédés sur les plateaux télé, c'est parce qu'on a derrière nous 200 ans de ce que Michel Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire où on demande aux détenteurs d'un savoir sur le vivant
de gouverner nos vies à partir de normes. Et pour qu'il y ait des normes, il faut justement qu'il n'y ait pas trop d'incertitudes. Et ce que Foucault a montré, c'est justement que une norme apparaît quand on stabilise le comportement d'être vivant. Ça se voit bien au niveau de la vaccination. Il y avait beaucoup de controverses sur la vaccination contre la variole au début du 19e siècle. Et puis ces controverses ont été atténuées, inhibées, dirait l'historien Jean-Baptiste Fressoz, de telle façon qu'on a pu mettre en place des campagnes de vaccination et considérer que certaines maladies, comme la tuberculose par exemple, ne posaient plus de problèmes ou ne suscitait plus d'incertitude. Ces maladies donc, qui étaient assez bien contrôlées par l'État-providence, justement, ont été remplacées par des maladies qui dépassaient le cadre de l'État-nation, avec ses frontières, sa souveraineté, justement, son territoire, sa biopolitique, et qui étaient des maladies qui franchissaient les frontières, qui venaient souvent du sud pour aller vers le nord, et qui ne pouvaient plus faire l'objet d'un calcul de risque comme on le faisait pour justement la vaccination sur la tuberculose, en comparant le bénéfice et le risque, ou en faisant des modèles de devenir de l'épidémie. C'était donc des maladies dont le devenir était beaucoup plus incertain et qui étaient considérées comme catastrophiques. Effectivement, Ebola, la grippe aviaire, c'est des maladies qui font très peu de morts, en tout cas au début, mais dont on se dit, si elles se répandent à l'échelle de la planète, ça va faire des dizaines de millions de morts. Donc ce passage du risque à la catastrophe a joué un grand rôle dans notre transformation du rapport à l'incertitude. Et avec des collègues américains, notamment Andrew Lakoff et Stephen Collier, on a appelé ça le passage de la prévention, où l'État, justement, Providence, calcule des risques et protège sa population contre ces risques, à la préparation, où on a des réseaux d'experts qui, aux points les plus chauds de la planète, vont préparer les populations à limiter les effets de la catastrophe, pour éviter justement qu'un virus, un nouveau virus, se transmette à l'ensemble de l'espèce humaine. Un nouveau virus venu des animaux, par exemple. Alors, sur cette question de la préparation, moi, je me suis intéressé pendant cette pandémie à toute la controverse qui a eu lieu sur l'origine du virus, puisqu'on ne sait toujours pas si ça vient d'une chauve-souris par transmission animale, c'est-à-dire par exemple sur un marché, ou par transmission artificielle à travers un laboratoire où on étudiait justement des virus de chauve-souris, donc dans la ville de Wuhan, qui avait été un peu construite justement comme une sentinelle où on détectait toutes les formes que prenaient ces virus de chauve-souris, mais où potentiellement il y aurait eu une échappée, non pas une manipulation bien sûr, mais une échappée de laboratoire. Donc là on a une vraie incertitude et qui ne sera jamais véritablement tranchée. Et bon, au-delà justement de ces questions de biosécurité, où il s'agit de savoir s'il vaut mieux blâmer les Chinois pour ne pas contrôler les marchés, ce qui renvoie à la figure du Chinois sale traditionnel, ou ne pas contrôler leur laboratoire, ce qui renvoie à la figure du Chinois puissance émergente mal accompagnée en quelque sorte. Au-delà de ça, il y a une dimension plus mythologique justement, pour reprendre un terme que j'ai utilisé à la fin de mon livre intitulé « Un monde grippé ». Au sens où ces questions d'origine des virus contiennent un grand nombre de variables dans notre rapport à l'incertitude, donc pas seulement l'incertitude de la maladie, mais aussi l'incertitude de notre rapport avec les animaux, du fait des conditions dans lesquelles nous les avons domestiqués, dans lesquelles nous les avons fait circuler à l'échelle de la planète, et puis plus généralement une incertitude dans le rapport à l'environnement, puisque le changement climatique a un impact sur le comportement des chauves-souris, sur le stress des animaux quand ils sont justement commercialisés dans des marchés. Et donc la pandémie est un bon capteur d'incertitude parce qu'elle permet de rassembler des récits sur toutes ces dimensions dans lesquelles il y a effectivement de l'inquiétude par rapport à l'avenir,
à la fois vais-je tomber malade, comment bien me comporter par rapport à la nature, comment anticiper les changements du climat. Et c'est pour ça que la question de la préparation dépasse le côté un peu militaire de ces virologues sentinelles qui vont au lieu où justement l'ennemi passe la frontière, et peut avoir aussi une dimension un peu plus large qui consiste à anticiper plusieurs types de menaces en même temps sur des échelles de temporalité variables. Alors oui, donc les avenirs, pour revenir sur la discussion qu'on vient d'avoir, et puis on va ouvrir la discussion. Comment est-ce que tu vois les choses sur les futurs? On va passer la parole, mais sur les débats sur la science, sur le rapport au complot, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non. Mentionner la réflexion que j'ai eue sur le vivre avec des épouvantails. Les épouvantails, ce sont des images qu'on s'invente pour placer quelque part nos peurs, pour les épargner des politiques de la peur. Voilà. Et donc je m'interroge beaucoup, et je m'interroge pour notre avenir aussi, sur notre capacité à avoir des imaginaires qui échappent à l'emprise de la fiction du monde qui nous est imposée par toute forme de médias, et que ce soit sur les réseaux internet, ou que ce soit sur les chaînes d'infos continues, ou que ce soit sur les images en permanence qui nous font confondre la réalité et l'imaginaire, et donc qui amputent d'une certaine façon notre capacité à produire de l'imaginaire. Pour ça que j'ai essayé d'aller chercher quelques solutions dans l'imaginaire de terrain que j'ai pu avoir au Brésil ou en Colombie, de figures qui imageaient les peurs à travers des visiones, des esprits ou des micro-divinités qui, d'une certaine façon, concentrent nos peurs dans une forme, qui leur donne une image, qui leur donne une forme à laquelle on peut s'adresser et qui nous disent des choses, et donc qui nous permettent de ranger la peur quelque part, non pas de prétendre la supprimer, mais de la ranger quelque part pour ensuite, si c'est possible, détecter les gouvernants qui nous parlent, qui veulent eux nous parler de nos peurs pour imposer certaines mesures plus sécuritaire ou répressive. Donc, laissez-nous nos peurs, on s'en occupe. Et voilà, contre les usages politiques de la peur, c'est un petit peu la piste que j'ai essayé de tracer timidement et prudemment, en donnant quelques idées et sans réussir réellement à tracer un programme de recherche, mais simplement en imaginant ce que pourraient être les termes d'un programme de recherche en anthropologie à propos de la peur. Voilà, vaste programme. Donc merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on ouvre, on a une petite dizaine de minutes, 15 minutes maximum pour faire un échange. Je ne sais pas où est le micro. Voilà, il est là. Je voulais juste rajouter un petit élément, oui, pendant que les questions arrivent. Vivre avec des épouvantails, sur la couverture, c'est des chauves-souris. Et je voulais quand même revenir sur les raisons pour lesquelles les chauves-souris font peur et ne devraient pas... c'est des gens, pardon. C'est drôle, parce que de loin, j'ai vu des chauves-souris. En fait, je trouvais qu'il y avait vraiment une relation entre épouvantails et chauves-souris. C'est pour ça que j'ai mis les deux sur le slide. Mais c'est intéressant que tu vois des chauves-souris, parce que ce sont des ombres. C'est des hommes qui se transforment en chauves-souris par leurs ombres, c'est intéressant. Batman. Je suis sûr que les éditeurs ont pensé. Il y a une idée avec les ombres longues, comme ça, pour faire peur, mais aussi peut-être des chauves-souris. Parce que justement sur la question de l'avenir, les chauves-souris font peur parce que justement on n'arrive pas bien à anticiper leur vol, surtout celles qu'on a chez nous, elles volent de façon erratique. C'est les animaux diaboliques aux frontières justement entre les genres, donc inclassables entre les espèces.
D'un point de vue évolutif, les chauves-souris sont intéressantes parce que justement, elles ont occupé la planète depuis bien plus longtemps que l'espèce humaine. On trouve des fossiles de chauves-souris un peu partout dans le monde, y compris dans des îles très éloignées, peut-être 60 millions d'années qu'elles sont là. Et elles ont développé des systèmes immunitaires qui leur permettent de vivre dans des colonies multispécifiques, donc ça peut être des arbres ou des grottes, et justement d'échanger des virus, donc des informations. Et donc à ce titre, la chauve-souris ne devrait pas être le modèle de ce qui devrait nous faire peur, c'est-à-dire l'idée qu'on va retourner dans nos grottes et vivre la nuit, mais plutôt un modèle d'une longue coévolution avec les microbes. Voilà, je voulais finir là-dessus. Oui, je pense que notre avenir chauve-souris, c'est une forme d'une manière de... Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'aurais voulu passer peut-être vous connaissez ce petit film sur YouTube où il y a des chauves-souris gothiques qui sont mis à l'envers avec une musique extraordinaire, ce qui donne une humanité aux chauves-souris assez étonnante. Ça a beaucoup circulé pendant la pandémie, ces chauves-souris sentinelles gothiques. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur... Alors, monsieur, en haut, à ma gauche. Merci. J'avais une question, c'est le débat tel que je l'ai saisi. D'un côté, il y a le pôle communauté, la communauté qui protège, mais en même temps qui peut accélérer les peurs. Et de l'autre côté, si on veut être rationnel, prévisible, prédictible, faire des typologies sur les réactions, sur les actants, les acteurs, les responsifs, les virologues, sentinelles. Je pose cette question-là parce qu'on a la même question en écologie. Soit on est communauté, on va se serrer les coudes face aux risques, mais il y a des risques majeurs qui font que ça ne marchera plus, et on est en alerte vis-à-vis de ça. Et tout écologiste de base se sent aussi sentinelle, pou-pou, lui-même, ou porte-parole, par les porte-parole. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur cette scansion avec la réserve pour l'anthropologie que la communauté peut protéger, mais la communauté peut accélérer la peur? Et même ce que j'ai retenu du dernier remarque de Frédéric Keck, c'est que c'est le type d'immunologie qui va créer la communauté où on peut coexister, quoi. Et donc, en conséquence, nouveaux virus, nouveaux procédures immunitaires, la protection, les vaccinés, les pas vaccinés, va reformater ou altérer les communautés de coexistence. Je m'arrête là sur l'interprétation, quoi. Donc c'est sur la scansion des concepts, quoi. Qui veut commencer? Non, enfin, peut-être que Frédéric répondra plus concrètement sur les aspects de l'immunité. Moi, je termine le livre en m'interrogeant sur la vie commune et non plus sur la communauté. Parce qu'effectivement, si on reste sur une idée de communauté, on repense à quelque chose qui s'enferme et qui se protège. Or, la frontière aujourd'hui de toutes nos relations, que ce soit la communication, que ce soit la politique, la culture ou la santé et les risques de santé, la frontière, elle est planétaire, elle est à l'échelle de la planète. Donc moi, ce qui m'interroge, ça n'est pas de refaire des petites communautés dans lesquelles on s'enferme, c'est d'imaginer, bien que cette question-là existe aussi, mais on pourra revenir, mais c'est d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore exactement imaginé, c'est de prendre le mot de Jean-Jacques Rousseau, de vie commune, qui veut simplement dire l'incomplétude de l'humain. Nous avons, depuis le moment de la naissance jusqu'au moment de la mort, nous avons toujours besoin d'un autre, d'une autre ou des autres en général. L'humain ne fait rien seul. Et cette idée-là, elle produit la question de la vie commune. À quelle échelle vivons-nous? À quelle échelle notre vie commune est-elle possible? Nous nous rendons compte, ou nous pouvons nous rendre compte, que dans bien des aspects aujourd'hui, notre vie commune, elle existe déjà à plein d'autres échelles que l'échelle nationale, à plein d'autres échelles que l'échelle micro-locale, même si ces échelles-là peuvent s'imposer à un moment donné, notamment dans les rhétoriques nationalistes qu'on entend ou dans les replis localistes qu'on entend aussi beaucoup. Mais pour moi, que chacun regarde comment il vit et il s'apercevra que sa vie commune, elle se déploie à de multiples échelles et que l'échelle planétaire
fait partie de notre existence. Donc j'essaye d'imaginer ou de reconceptualiser en repartant de Rousseau et de son idée de vie commune que Tsvetan Todorov avait repris et avait réfléchi à propos, dans un ouvrage qui s'appelle « La vie commune » précisément, sur cette dimension-là de notre existence à l'échelle planétaire, en partant de ce phénomène de la pandémie, et je ne suis pas immunologiste et je ne suis pas anthropologue des laboratoires et des pandémies comme l'est Frédéric, mais en imaginant face aux risques, face aux menaces, face aux dangers, mais aussi face à tous les autres aspects de notre existence, comment est-ce qu'on peut déployer des concepts, des enquêtes et éventuellement des propositions sur cette vie commune à l'échelle planétaire. Du coup, je m'interroge assez logiquement, mais d'autres le font aussi, sur la géopolitique, sur le droit international. Je suis très proche de Mireille Delmas-Marty, qui s'interroge, par exemple, c'est comment produisons-nous du droit à l'échelle mondiale? Je crois que c'est vraiment la question aujourd'hui. Et comment l'OMS peut être quelque chose à l'échelle mondiale qui fasse autorité sans être le jeu des États-nations pour qui l'OMS est un des champs de bataille parmi d'autres. Et donc ça c'est une véritable question. Je suis très proche de cette problématique-là. Je pense là il y a un terrain d'interrogation, un terrain aussi de proposition. Frédéric ? Non, rapidement, chaque communauté peut donner le sentiment d'une homogénéité qu'il faut protéger contre une menace extérieure. Alors que ce sur quoi j'ai conclu, c'est l'idée d'une communauté multispécifique dans un lieu commun, comme peut l'être une grotte de chauves-souris où il y a beaucoup d'espèces qui s'échangent des virus. Et ce que j'appelle la sentinelle, c'est justement le fait que pour que tous ces échanges soient possibles, il faut des capteurs de ces informations qui circulent entre les vivants qui habitent un même lieu commun. Pour éviter que ça s'enflamme. Et c'est le problème de la communauté, c'est qu'elle peut s'enflammer du fait de ces différences internes. Il s'agit de passer de l'inflammation à l'information. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Je regarde les... Ok, encore une ces possibilités. Alors, il y a une madame au milieu. Bonjour. Alors, moi, j'aurais du coup une question par rapport aux attachements qui sont dans l'intitulé de la session. Il me semble que vos propositions mettent très bien en miroir, en fait, finalement, dans ce contexte d'incertitude, le besoin qu'il y a, en quelque sorte, en réaction de conservation de quelque chose. C'est le réflexe de... Enfin, ça a été démontré dans les travaux sur le patrimoine, l'incertitude finalement crée l'attachement. Est-ce que vous, dans les terrains que vous avez menés, c'est effectivement le cas? Alors, dans ce que vous avez démontré, j'ai eu un peu l'impression que finalement, cet attachement faisait naître une sorte d'humanité. Ce qu'on veut conserver finalement, c'est l'espèce humaine, et que du coup, il y aurait une humanité sans frontières, et que du coup, à contrario, on recrée de nouvelles frontières. Ces potentiels problèmes qu'il va falloir cantonner parce qu'ils produisent des risques, que ce soit d'un côté les migrants ou que ce soit de côté ces sentinelles finalement. Mais je me pose la question, est-ce que du coup, à contrario, ça fait émerger de nouvelles communautés quand on est une sentinelle ou quand on est un migrant? Est-ce qu'on se vit de l'intérieur à travers ces frontières, ou comment on déconstruit aussi ce contexte de pandémie, parce qu'il se vit aussi, au sein de ces microcosmes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de l'observer, parce que finalement le contexte de la pandémie ne s'y prête pas trop, mais peut-être que vous avez des pistes à ce niveau-là. Alors, En dehors de cette situation spécifique de la pandémie, là je réponds plus sur des enquêtes et des recherches sur les migrations, les personnes en déplacement. Évidemment, je crois que la question de trouver
toujours de quelle façon et à quel moment et en quel lieu des gens font communauté, c'est une question pour moi qui est permanente. Mais précisément, il faut se détacher pour ça d'une définition essentialiste ou traditionnelle ou mémorielle de la communauté. Bien souvent, les gens sont précisément dans des lieux où il n'y a pas de mémoire, où il n'y a pas d'identité. Ils se déplacent, ils sont en mobilité. Si vous voulez, par exemple, à propos de ce campement de Genus Camp et qu'on a appelé Jungle de Calais, sur lesquels j'ai organisé un travail collectif qui a été un autre ouvrage qui n'est pas là, mais il y en a plein d'autres, donc ce n'est pas la question, mais où on a fait un travail collaboratif avec des associations, avec plusieurs chercheurs, avec des étudiants pour produire ce rapport, quoi, d'une certaine façon, qui s'appelle la Jungle de Calais, simplement. Au moment, quelques jours après la destruction qui a été très rapide, violente, qui moi m'a simplement fait penser à ce qu'on appelle en Afrique les déguerpissements urbains, qui se font aussi en 24 heures comme ça, où c'est rasé, comme si on avait fait table rase de cette affaire. Et bien justement, cette table rase a énormément ému tous les militants associatifs qui étaient là depuis des années, depuis un an et demi dans ce camp-là, mais depuis bien plus dans d'autres campements, etc., auprès des migrants. Et on a commencé même à parler à Calais de faire un musée, de récupérer les objets qui restaient là, des bouts de fauteuils, des bouts de tentes, des chaises, des bidons. Quel était l'objet ? Il y a tout un travail qui a été fait sur les objets de la migration, par exemple, qui est tout à fait passionnant. Je ne détaille pas, c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, il y a eu une émotion très forte de la part de toutes les personnes pour justement qui s'identifiaient, qui s'étaient attachées exactement à ce lieu, qui a fait communauté. Moi, j'appelle plus ça les communautés de réfugiés, etc. J'appelle des communautés de l'instant ou des communautés de survie aussi. C'est des communautés qui existent à un moment donné et qui peuvent se défaire à un autre moment donné. Parce que cet attachement au lieu, on ne l'a pas vu chez les migrants. Eux, ils sont partis ailleurs. Eux, ils voulaient aller ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Ils ne sont pas revenus là, sur ce lieu, alors que c'est eux, essentiellement, qui l'avaient bâti comme un lieu où une communauté avait pris forme, une communauté même politique. C'est ça qui, pour moi, était le sujet, si vous voulez, de la jungle de Calais et de sa destruction. C'est que ça avait fait communauté à partir de... une vingtaine de nationalités, plus une dizaine de nationalités d'Européens qui étaient là, plus... une vie économique, une vie sociale, évidemment, une vie culturelle qui avait pris forme dans quelque chose qui était beaucoup plus près, petit à petit, de ce que je connaissais de bidonville au Brésil, par exemple, que d'un horrible campement, comme on pouvait entendre parler d'une manière pseudo-humanitaire en disant c'est l'horreur, etc., etc. Mais non, c'était pas du tout l'horreur, c'était une situation, effectivement, terrible, mais où les gens qui étaient là reconstruisaient du social, reconstruisaient de la culture, reconstruisaient aussi de la politique, puisqu'à un moment donné, il y a un comité des résidents qui s'est formé, qui regroupait les différentes représentations les représentants de nationalités, et qui à un moment donné ont même produit un texte à l'attention des associations qui venaient là et qui leur disaient. Nous vous remercions pour votre soutien, nous vous remercions pour votre attention, mais nous vous proposons de regarder les quelques règles suivantes. Par exemple, ne venez pas sans arrêt ouvrir nos tentes pour voir qui est à l'intérieur, arrêtez de nous prendre en photo sans arrêt, arrêtez d'amener des journalistes avec vous, etc., etc. Et donc, il y avait une reprise de pouvoir, si on peut dire. Et là, il y avait une communauté. On peut dire, là, il y a une communauté. Mais au moment de la destruction, il n'y avait plus rien. Et donc, les gens sont partis ailleurs, sont partis faire communauté ailleurs dans leur nomadisme imposé, si on veut. Et ceux qui ont eu la nostalgie de la communauté sont les résidents, les associatifs qui étaient là autour, qui s'étaient beaucoup impliqués et qui ont vu là se défaire une communauté en disant on va retenir quelque chose, on va faire un musée. Bon, le musée c'est pas fait, mais cette idée-là, enfin ce paradoxe, enfin, cette différence-là m'a paru très 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 significative, quoi, justement de ce rapport à la communauté comme quelque chose qui est peut-être dont on a besoin, c'est sûr, mais qui est peut-être éphémère, quoi. Frédéric ? Alors, c'est vrai qu'on a plutôt traité la façon dont
la pandémie révélait des incertitudes dans nos attachements ou des ambivalences dans nos attachements, et pas tellement comment finalement l'incertitude à l'égard de l'avenir produisait des attachements. Et même d'une certaine façon, on a un peu déconstruit cette idée avec l'idée d'une communauté qui se protège par la peur. Mais c'est dans mon travail, j'ai effectivement observé des moments où cette incertitude à l'égard de ces virus qui franchissent les frontières d'espèces a produit des formes de conservation ou de patrimoine, puisque vous avez employé cette notion. Et notamment, je pense à une ferme donc au nord des territoires de Hong Kong, qui était le lieu où les immigrés hongkongais apprenaient à faire de l'élevage industriel de volailles dans les années 50, qui, après la grippe aviaire et la fermeture de la plupart des élevages de volailles sur les territoires, est devenue une réserve de biodiversité, puisque des espèces de volailles qu'on ne trouvait plus sur le continent chinois parce qu'elles avaient été mangées pendant les grandes famines des années maoïstes étaient encore conservées sur le territoire de Hong Kong. Et du coup, la politique de sentinelle prenait encore plus de sens parce qu'il s'agissait de protéger pas seulement des volailles pour leur valeur nutritionnelle, mais aussi des espèces de volailles qui n'existaient plus sur le continent. Et donc, il fallait un niveau d'alerte encore plus élevé pour protéger justement ce qui était devenu une sorte de patrimoine, alors qu'au départ c'était plutôt considéré comme une sorte de ressource industrielle. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à la salle, et je laisse la parole. Bonjour à tous. On va enchaîner très rapidement avec le film hommage à Martine Segalen. Juste avant de lancer le film et le temps que nos intervenants, que je remercie encore, regagnent leur place, pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, l'attachement d'une certaine manière de Martine Segalen à la CEF, qui était un membre actif de cette société savante, et puis aussi rédactrice, directrice de la revue Ethnologie française, dont le titre appartient à la CEF. Juste pour vous dire que ce film que l'on va projeter maintenant est composé d'extraits d'un film plus complet issu d'une collection de films qui s'appelle L'Ethnologie en héritage, qui est produit par le ministère de la Culture et que vous pourrez voir dans son intégralité très prochainement sur le site Bérose. Donc les extraits que nous avons choisis ici sont en lien avec la dimension, disons, patrimonial du parcours de Martine Segalen. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne projection. J'ai eu la chance d'être orientée, alors que je ne savais pas quoi faire de mes études après m'être copieusement barbée en classe, par ma mère vers Sciences Po. Et j'ai fait Sciences Po à l'époque où on l'intégrait assez facilement. Et là, j'ai eu une découverte qui n'était pas celle des sciences sociales encore, mais une découverte de ce qu'était l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs absolument extraordinaire, comme Charles Bourrasé, comme Raoul Girardet, qui était mon maître de conférence, qui d'ailleurs à un moment est devenu royaliste et a même passé l'épreuve de la prison. Et là, j'ai vraiment eu un bonheur extraordinaire de me dire que je commençais à comprendre la société. Je suis rentrée à Sciences Po en 57,
Il y avait les années 58, toute cette agitation, ensuite la reformulation de la nouvelle constitution après, quand De Gaulle a pris le pouvoir avec Georges Vedel, qui avait été aussi, j'avais eu la chance de suivre ses cours. Et donc tout ça m'a donné une formation, un intérêt pour l'histoire, je dirais. Moyennant quoi, sortant de Sciences Po, à une époque tellement heureuse, en 1960, diplôme en poche, il y avait 120 postes possibles pour moi. Et j'ai choisi de me lancer dans l'économie en étant acheteuse de pullover, de jupes et de corsage pour une boîte qui se montait dans les années 60, qui devait ouvrir tous ses magasins en self-service à InnoFrance, une boîte belge. Donc je passe 3 années à InnoFrance. Ensuite, j'ai été 3 ans travailler aux États-Unis, très heureuse d'être à New York et en même temps faisant un voyage au Mexique avec mon mari. Et là, j'ai une espèce de coup de foudre pour cette culture, pour ces gens. Je me sentais beaucoup plus proche finalement des Mexicains que des Américains. Je rentre en France, donc je n'ai aucun lien avec ce milieu, aucune connaissance. Je n'avais pas renoué avec Sciences Po ni rien. Et ma belle-mère, donc la belle-fille de Victor Segalen, me dit, vous devriez aller voir Marielle Jean-Brune de la Mare. Laquelle Marielle Jean-Brune de la Mare est la fille de Jean Brune, le grand géographe. Et Jean Brune était veuf et Victor Segalen était mort en 1919, laissant une femme tout à fait charmante et belle avec 3 enfants. Et Jean Brune et Yvonne, donc la veuve de Victor Segalen, se sont échangés des correspondances que j'ai vues d'ailleurs assez tendres. Et je crois que Jean Brune pensait peut-être se marier avec Yvonne Segalen, ce qui ne s'est pas fait. Mais les liens restaient dans la famille. Ma belle-mère donc connaissait Marielle et m'a dit « va voir Marielle ». Et donc Marielle m'a pris sous son aile, autre cadéro, et m'a embarqué avec elle comme vacataire pour travailler sur l'édition de la très célèbre enquête Aubrac, dont on aura peut-être l'occasion de reparler à un moment. Alors, donc, j'avais un pied, en fin de compte, c'était très commode, parce que le Musée de l'Homme était à droite. Il y avait les séminaires du CFRE avec André Leroy-Gourand, Hélène Balfay. On avait des cours d'anthropologie physique. Raoul et puis Hartweg. Hartweg, avec l'apistoglabion, là, ces mesures-là du nez, les cheveux hulotriches ou frisotriches, enfin, je ne sais quoi. Et puis, un stage de terrain aussi qui était prévu, dont j'ai été privée parce que j'attendais mon 3e enfant et mais paix à son âme, enfin, je n'ai pas pu aller faire ce stage de terrain. Et puis, il y avait de l'autre côté tout ce qui est la ruche bourdonnante extraordinaire au sous-sol du Trocadéro, du musée des ATP, qui se préparait à aller occuper le nouveau siège, comme on disait. Donc, j'ai croisé dans ces années-là Georges-Henri Rivière, déjà, avec Marielle, avec toute la vieille équipe. Et puis, voilà. Et donc, ma thèse, mon sujet de thèse, pourquoi est-ce que j'ai choisi le choix ? Enfin, c'était vraiment par le fait de ma rencontre avec Bastide que j'ai choisi, donc, ce sujet de thèse, le choix du conjoint dans une commune de l'Eure. Et ça a été très, très mal accueilli au CFRE. Parce que je me rappelle que Hélène Balfay, qui est d'ailleurs que j'ai connue par la suite, qui était une charmante femme spécialiste de la vannerie, qui m'a dit « qui c'est ça, Alain Girard ?» C'est vrai que la coupure était totale entre les démographes, la démographie génétique, si tu veux, qui se développait à ce moment-là, et puis les travaux des jeunes ethnologues, de la jeune équipe d'ethnologues, qui formaient essentiellement des africanistes, avec André Leroy-Gourand comme directeur de thèse. Donc j'étais la seule, une espèce d'ovni, là, à avoir un directeur de thèse qui n'était pas André Leroy-Gourand. Alain Girard était effectivement sociologue, sociodémographe, mais il y avait autour de lui, à cette époque-là, dans un bureau qui était encore à côté de l'avenue Franklin Roosevelt, beaucoup d'historiens démographes qui avaient commencé à s'intéresser, à connaître la population de la France. Et si je reprends un peu l'histoire,
c'était que la France connaissait ce baby-boom, avait connu ce baby-boom pendant la guerre, juste un peu avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Et finalement, les gens, on ne savait pas mesurer par rapport à quoi. Et c'est là où l'INED, avec Louis-Henri, a commencé un énorme chantier de connaissance des populations anciennes, démographiques. Et ça passait beaucoup par l'exploitation des registres d'état civil, donc finalement de la nuptialité. Bon, voilà comment je me suis greffée là-dedans, tout en travaillant avec le docteur Sutter, qui était un généticien, et qui m'a orientée vers l'idée de regarder ce qu'étaient ces mariages assez curieux, sur lesquels ensuite j'ai beaucoup travaillé, ces mariages remarquables, si tu veux, qui faisaient qu'il y avait des cousins, qui n'étaient pas seulement des mariages consanguins, mais qui étaient ce qu'on a appelé avec d'autres des renchaînements d'alliances. Bref, j'ai fait donc ma thèse de troisième cycle assez rapidement, et je pense que c'est ça qui m'a permis de rentrer au CNRS en 1971, en ayant quitté le CFRE, donc en ayant intégré le Centre d'ethnologie française et en me lançant dans une série de travaux. Ma position en tant que chercheur dans le musée, chercheur CNRS, c'est que je n'étais pas dans un lieu neutre. Certains de mes collègues chercheurs ont considéré qu'ils étaient comme dans n'importe quel autre laboratoire de recherche. Moi, j'ai toujours été très, très intéressée par la culture matérielle, confère mes fameuses cuillères mexicaines, et le musée m'apparaissait comme un lieu sacré, en plus de ça, je veux dire, un musée neuf qui s'installait, que je voyais se développer. L'honneur que Rivière m'a fait de présenter dans une vitrine entière ma confrérie de Daubeuf, quand même, alors que ce n'était pas prévu au départ dans son plan. Et donc, j'ai toujours été impliquée dans éventuellement la présentation d'expositions. Et Cuisenier fait un premier colloque international d'ethnologie en 1971. Et les galeries n'étaient pas encore ouvertes, donc on pouvait encore piocher comme ça. Et en 3 mois, j'ai monté une exposition, Mari et femme dans la France rurale traditionnelle. Et c'est Françoise Loux, avec qui je travaillais, dont je partageais le bureau, qui a toujours travaillé sur les questions de santé, etc., qui travaillait sur les proverbes relatifs au corps et à la santé. Et donc, elle m'a dit, tu devrais regarder, il y a plein de proverbes sur les amours, la beauté féminine, la vie au travail, la vie des couples, etc., qui sont toujours mis dans un contexte de la nature. Par exemple, c'est les proverbes qui mettent en parallèle l'amour des femmes et les nuages qui passent, ou alors la vie domestique, femme fenestrière, soupe froide. Je trouve ça assez joli. Bonjour lunette, adieu fillette. Enfin, bon, il y en avait des quantités, et effectivement, c'était à la fois une façon à la fois d'illustrer certaines propositions, et en même temps, c'était presque une source, se dire que cette pensée populaire, elle était comme ça, et elle formatait finalement en partie les relations entre les hommes et les femmes dans les sociétés dites traditionnelles. La modernité de ce travail, de cette recherche, c'était par rapport aux travaux précédents qui portaient sur les rôles institutionnalisés ou ritualisés, c'était un travail qui cherchait à saisir plus précisément la réalité des rapports entre mari et femme. Oui, et puis si tu veux... Si tu peux... dans les travaux sur la famille en milieu rural, quand on pense évidemment aux grands travaux d'Arnold van Gennep, il les avait pris à travers le prisme des âges de la vie et des rites de passage. Alors en fin de compte, on avait le baptême, la première communion, pour les hommes, le service militaire, le mariage, et puis après la mort. Donc il ne se passait plus rien entre les deux. Alors que quand même, l'essentiel de la vie, même si les gens mouraient beaucoup, il est vrai autrefois, et que les hommes d'ailleurs se remariaient assez facilement, et c'était toute cette
période, enfin, tout ce qui sont les relations, les relations sociales, les interactions, la vie domestique, etc., qui m'intéressait. Je me suis intéressée, mari et femme, dans l'espace domestique. Quels étaient les espaces, où est-ce que les femmes sortaient, ne sortaient pas, jusqu'où elles pouvaient aller, etc., et leur place dans l'espace public, pour m'apercevoir que les femmes avaient très peu de place dans l'espace public parce que les jeux étaient des jeux masculins, la musique, la vie politique, etc. Et les seuls espaces publics qu'elles avaient, c'était dans la domination religieuse, en fait, les pèlerinages ou un certain nombre de fêtes, dont cette fête de la Rosière qui m'a amenée par la suite à travailler à Nanterre. Et c'est Le Goff, après, dans sa collection, Jacques Le Goff, qui m'a demandé de le retravailler comme un livre sur les rôles, les espaces, etc. Et c'est là où les choses, où j'ai eu tellement de chance, je veux dire, Peter Laslett, ça lui a plu, et il l'a fait traduire en anglais, « Love and Power in Peasant Society », ce qui m'a permis d'être connue dans le milieu anglo-saxon de la recherche sur l'anthropologie, l'histoire, les sociétés rurales, etc. Comme les ATP avaient été créés sous un aspect extrêmement technologique, les présentations, alors il y avait l'agriculture, la viticulture, etc. Et puis il y avait une espèce de fourre-tout qui s'appelait coutumes et croyances dans lequel justement le mariage rentrait. Et le mariage, voilà. Et cuisinier donc voulait qu'on exploite les matériaux, des matériaux iconographiques particulièrement remarquables ou d'objets. Et donc avec Berger Levrault, qui était un des éditeurs avec lesquels il avait s'était associé, enfin qu'il avait pu convaincre de publier, il y avait plusieurs livres qui ont été publiés, je me rappelle, sur le même genre, avec une très belle iconographie. Il y avait Les Conscrits. Il y avait un livre par Michel Bozon, et Michel Bozon, qui est depuis devenu un sociodémographe très connu du mariage, de la jeunesse, et maintenant qui publie d'ailleurs sur la sexualité. Il y avait un livre de Marie-France Gueusquin, il me semble, sur les dragons. Il y avait un livre de Françoise Loux qui s'appelait « L'ogre et la dent ». Et puis nous, on avait fait « Amours et mariages de l'ancienne France » avec Jocelyne Chamara, qui était mon associée documentaliste, et qui avait travaillé à une très, très belle illustration qui était une façon de montrer les collections du musée. Alors, j'avoue que c'était, pour ma part, une espèce, c'était pas du tout un travail de terrain, mais c'était plutôt fondé sur une compilation à la Van Gennep, mais moins bien que Van Gennep, parce que c'était pas théorisé. En tout cas, moi, je ne me suis jamais sentie coupé du tout ou participant de deux univers différents. Et j'ai toujours eu à cœur, à chaque fois que c'était possible, de lier mon travail de recherche et le musée. Par exemple, j'ai été l'intermédiaire pour faire venir au musée une exposition qui s'appelait « Le mariage en Bretagne », qui était une exposition temporaire qu'avait fabriqué un ensemble de musées qui s'étaient associés en Bretagne pour faire une exposition itinérante. Bon, ben c'est moi qui l'ai fait présenter au musée. J'ai fait une exposition aussi qui s'appelait « Liens de famille » avec Françoise Zanabène et Georges Augustins, qui était essayer de faire rentrer dans le musée la parenté. Donc, je ne me suis jamais sentie coupée en quoi que ce soit. Quant à la démographie historique, elle faisait partie du champ de recherche. Donc, là aussi, pas de contradiction, à mon avis. Pas de contradiction. La contradiction, elle viendrait plus tard quand il y aura des grandes difficultés entre la recherche et le musée, avec des dissociations plus grandes. Mais moi, j'en ai jamais été victime. Et puis, c'est quand même l'extraordinaire liberté que vous donne le CNRS de choisir avec qui vous avez envie de travailler et sur quel thème. C'est quand même assez remarquable. Quand Cuisinier a fait venir au musée des gens qui étaient vraiment purement sociologues, si tu veux, comme Françoise Lautmann, Aline Ripert, Barbichon, eh bien, tout cela, d'une manière ou d'une autre, ont participé aussi aux activités du musée. À un moment, Cuisinier avait essayé de faire des binômes, justement, avec conservateurs, chercheurs. Ça n'a pas marché, mais ça fait rien.
on ne venait pas travailler là comme on va travailler à la Maison des sciences de l'homme. Entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé ? Est arrivé qu'au Musée des arts et traditions populaires, j'ai eu la chance de rencontrer Henri Mendras. Il a vu mon dossier, bien sûr, j'y pense, parce qu'il était à la commission du CNRS, puisque ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique des ethnologues européens, c'est qu'ils étaient recrutés au CNRS en sociologie, parce que les ethnologues de l'ethnologie ne voyaient pas arriver d'un très bon œil ou considéraient véritablement que c'est ceux-là qui n'allaient effectivement pas attraper une maladie de foie ou se casser les dents en Afrique n'étaient pas des vrais ethnologues. Donc la commission était beaucoup plus fermée et c'était en sociologie qu'on se retrouvait. Donc effectivement, mes deux mentors ont été Alain Girard, qui était président de la commission de sociaux, et Henri Mendras. Henri Mendras, qui était venu nous présenter les grandes enquêtes comparatives rurales qu'il faisait avec son équipe, qui était donc l'époque où il faisait faire plusieurs terrains comparatifs et où il avait lancé avec Jacques Lautmann une grande opération comparative. Et moi, je travaillais avec Lautmann, sous la direction de Jacques Lautmann et Henri Mendras dans ce projet dont j'oublie le nom, évidemment, qui s'appelait l'Observatoire du changement social. Voilà. C'était une ATP, une action thématique programmée. C'était une ATP, et c'est comme ça que j'ai rencontré Georges Augustin, qui, dans ce cadre-là, travaillait sur ces Pyrénées. Et moi, je travaillais sur Saint-Jean-Trolimont, sur des questions de politique, je ne sais quoi. Et Henri Mendras était le directeur d'une nouvelle collection chez Armand Collin qui s'appelait U dans les années donc fin 70, une collection U universitaire qui lançait donc des manuels de sociologie de. Et il est venu me demander de faire un manuel de sociologie de la famille dont je partagerai la rédaction avec Françoise Lautmann. Ça, c'était 78 ou 79. Alors, j'ai partagé le plan avec Françoise Lautmann, j'ai écrit ma partie, et puis elle n'a pas écrit sa partie, et elle n'a pas écrit, et j'ai fait tout le livre. Et c'est comme ça que Sociologie de la famille est sortie, dans lequel son originalité était évidemment la partie importante que je donnais à la partie à la fois ethnologique, véritablement anthropologique et historique, en me fondant sur tout ce que je connaissais, des travaux que je lisais. Et je pense me vanter quand même avoir ouvert, avoir présenté tous ces travaux anglo-saxons qui produisaient des livres que je connaissais. Et puis, essayant d'aller regarder, et c'était, je me rappelle, aller chercher des articles. Quand on pense à Internet maintenant, on fait schtunk et on a tout de suite l'article sur son ordinateur. Je courais les bibliothèques pour trouver les différents thèmes sociologie de la famille. Au fil des rééditions, est-ce que tu as réécrit les chapitres ou... Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai été. Je me posais la question parce qu'il y a eu. Ça aussi, c'est intéressant du point de vue de la discipline sociologique. C'est la quantité de travail qui s'est développée. J'avais finalement pas eu beaucoup de mal dans mon premier, deuxième version à faire le tour de la production. Mais depuis, il y a eu tellement, sur toutes ces thématiques d'enquêtes approfondies, développées dans tous ces laboratoires qui se sont créés et cette recherche qui s'est vivifiée énormément, que dans la dernière version, j'avais dit à l'éditeur, là, chez Armand Collin, que j'allais supprimer la partie historique, parce que, bon, et je l'ai coupé, il m'a dit non, il faut la garder, c'est ça qui fait son originalité, mais je l'ai coupé de plus en plus. Et ça montre justement que sur ce thème de parenté et famille, il y a eu un moment où parenté et anthropologie historique dominaient dans le champ, et ça s'est considérablement réduit avec, en fait, la chute de l'intérêt pour la thématique. À un moment, on avait fait le tour du sujet et puis les ethnologues sont passés à autre chose. Et par contre, les sociologues sont là à scruter et ça n'arrête pas, là, ce qui se passe sur la famille en ce moment. C'est tellement étonnant. L'étape après sociologie de la famille, ça a été histoire de la famille, puisque
effectivement, on est dans cette période des années 80 où on est vraiment dans cette période. Quelle chance j'ai eu de travailler à ce moment-là, où l'intérêt pour la famille, la société, l'histoire des mentalités, etc. L'édition universitaire qui marche très très bien, quand on pense aux ventes faites par exemple par le roi Ladurie ou le cheval d'orgueil, etc. Et donc il y a cette histoire de la famille qui m'est demandée par le directeur des sciences humaines d'Armand Collin au vu du succès de Sociologie de la famille, et il vient me proposer Histoire de la famille. Alors je me suis équipée d'une solide, avec de solides amis historiens et ethnologues pour développer cette histoire de la famille. Vie d'un musée, c'est d'ailleurs... Vie d'un musée. Oui, Vie d'un musée, qui est d'ailleurs un titre qui ne m'a pas plu, puisque ce serait plutôt Chronique d'une mort annoncée, puisque j'ai écrit ce livre quand j'ai senti le besoin de le faire en prenant conscience que le musée allait disparaître. Et évidemment, je raconte les débuts que j'ai vécu en étant, comme toujours, à cette époque-là, marginal par rapport à l'ensemble de l'institution, puisque je n'étais qu'une vague stagiaire qui travaillait avec Marielle Brundelama tout en commençant mon cycle d'études. Et donc, j'ai vécu quand même cette période de mai 68, qui a été le moment du passage assez mouvementé de la direction de Georges-Henri Rivière à Jean Cuisenier. Et il y a eu un mouvement, alors c'était mai 68, et s'est engouffré là-dedans. Et je me rappelle une séance au théâtre du Musée de l'Homme où toute l'équipe de Georges-Henri Rivière refusait en chœur la nomination de Cuisenier, qui semblait un parachutage, ce que c'était d'ailleurs, par rapport à une conservatrice historienne de l'art qui s'appelait Michèle Richet et qui pensait se voir transférer la direction du musée. Mais déjà, Rivière avait en quelque sorte ouvert la piste à Cuisenier parce que le laboratoire a été créé en 66, au moment de la grande enquête au BRAC, où le côté scientifique, enfin la vocation scientifique du musée était affirmée. Et donc on était à la recherche de quelqu'un qui présenterait ce sérieux et ce fondement scientifique qui maintenant semble être le credo pour faire fonctionner à la fois la direction du musée et la direction du Centre d'ethnologie française. Et donc je sais que c'est Claude Lévi-Strauss qui avait repéré Jean Cuisenier, qui travaillait, si je ne me trompe, dans le laboratoire de Raymond Aron, et qui est donc nommé en mai 1968 à la tête du laboratoire, du laboratoire et du musée, et qui a eu des débuts assez difficiles, puisqu'il y avait une hostilité à l'intérieur de la maison. Disons que tous les conservateurs et chercheurs qui avaient travaillé à la formation de ce musée qui n'existait pas encore était très inquiet en se demandant quelle impulsion Cuisenier donnerait désormais à l'institution. Alors, Cuisenier a pris ses marques petit à petit, et tandis que Georges-Henri Rivière, comme on l'a dit tout à l'heure, a continué à accumuler du matériau, puis a contribué à faire transférer le musée qui, en fait, a déménagé, autant que je me rappelle, en 69, dans les nouveaux locaux du Bois de Boulogne. Comment s'est passée la cohabitation, en quelque sorte, transitionnelle, entre Rivière et Cuisenier, puisqu'il était encore là, Rivière. Rivière, oui. Cuisenier avait le grand bureau directorial du 8e étage, et Rivière avait un bureau qui lui était réservé au 9e ou au 10e. Je ne m'appelle même plus s'il y avait 10 étages, hélas. Enfin, il avait son bureau et il travaillait avec André Desvallées. Et Cuisenier l'a laissé complètement finir ses vitrines. Alors, il y a eu un moment de tension qui était plutôt dans le passage entre le musée du Trocadéro et le passage aux ATP dans le Bois de Boulogne à propos du transfert des collections.
qui était entre les mains d'une conservatrice merveilleuse, très efficace, qui s'appelait Jacqueline de Moinet, à tel point que quand on allait dans les réserves, on retrouvait les objets. Ce qui me semblait normal, mais il paraît que c'était un miracle, surtout quand on comparait au Musée de l'Homme où on ne retrouvait rien. Et alors Jacqueline de Moinet finançait apparemment pour terminer le transfert, et Cuisinier, à un moment, s'est énervé, lui a dit « si vous ne le faites pas, je fais venir l'armée ». Bon, voilà. Donc l'armée n'est pas intervenue, Jacqueline de Moinet a fait son transfert de collection. Rivière voulait ouvrir d'abord la galerie culturelle, la grande galerie, mais en fait, comme Cuisinier voulait quand même que les choses avancent un peu plus vite, il a ouvert d'abord la galerie d'études au sous-sol, qui était beaucoup plus technique et technologique, en 1972, et ensuite la galerie culturelle en 1974. Et Cuisinier avait très hâte que Rivière s'en aille, et Rivière aussi en avait marre à la fin, et d'ailleurs lui-même s'était engagé en même temps sur tout le problème de la question des écomusées. Si tu veux, Cuisinier et Rivière se détestaient mutuellement. Mais ils étaient quand même deux personnalités très différentes, hein, puisque... Oui. Rivière était un homme un peu fantasque. Je ne sais pas, je l'ai connu après, dans les dernières années, quand il était sur les écomusées. Mmh. Mais alors que Cuisinier était plutôt quelqu'un de rigoureux et pas commode, d'une certaine manière. Ah ben, fantasque, moi, je ne prendrais pas du tout. C'est quelqu'un, c'est un charmeur, mais il avait un souci extraordinaire. Georges-Henri Rivière avait un souci extraordinaire de la rigueur scientifique, puisqu'il a toujours porter cette espèce de complexe de ne pas avoir eu de formation. Continuellement, il travaillait, il retravaillait ses programmes pour qu'il y ait une plus grande cohérence scientifique. C'était quelqu'un qui était un charmeur, qui avait une connaissance extraordinaire, finalement, de tout ce qu'était le folklore et l'ethnographie de la France telle qu'on la pratiquait à ce moment-là, qui avait un verbe magnifique. C'est vraiment malheureux qu'on ne l'ait pas enregistré comme maintenant on enregistre tout le monde, et qui voulait aller au bout de cette œuvre. Voilà. Alors, Cuisinier avait une formation complètement différente, une formation de philosophe. Il avait été sur le terrain. Cuisinier, il voulait fonder ce qu'il appelait une ethnologie scientifique de la France. Il ne voulait plus rien qui ressemblerait au folklore. Et c'est pourquoi, par exemple, il a transformé la revue Art et Tradition Populaire en ethnologie française, et il avait un souci de scientificité, ce qui fait que très tôt, par exemple, il a fait rentrer Michel de Virville et un peu d'informatique au musée pour déjà être en avance sur ce qui allait se faire après. On allait, Michel et moi, à Orsay, préparer des programmes de reconstitution automatique des généalogies. Cuisinier était en concurrence avec le laboratoire d'anthropologie sociale qui avait ses propres programmes. Et on a même publié dans L'Homme un numéro sur un article dans L'Homme, je crois, en 1971, présentant notre programme de reconstitution automatique des généalogies. La période faste a été relativement courte quand on regarde l'histoire du musée, puisque finalement les galeries ouvrent en 72 et en 74. Et dès 1980, il y a ce fameux colloque sur les écomusées où quelqu'un dans la salle, alors qu'on parle des ATP, crie du fond de la salle : on ne tire pas sur une ambulance. Déjà dans les années 80-85, avec le développement du mouvement des écomusées, avec le fait que le musée apparaissait loin, était loin des circuits muséographiques, ne bénéficiait pas effectivement de tout ce qui peut être maintenant les politiques de communication, semble ne pas remplir sa vocation d'attirer du monde. D'ailleurs, quand le musée était au Palais de Chaillot encore, et que Georges-Henri Rivière organisait des expositions temporaires qu'il appelait comme le lever devant le rideau, ben, il n'y avait jamais eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et là aussi, rapidement, on s'est aperçu que, à part les premières années où effectivement c'était un musée neuf où tout le monde se précipitait, le nombre de personnes qui venaient visiter chutait, alors que s'élevait tout d'un coup ce mouvement des écomusées qui était issu en partie du mouvement des ATP d'ailleurs, et qui lui ont fait terriblement ombrage. C'est une parmi d'autres causes
des difficultés qu'a connues le musée. On a reproché, je me souviens de ça, aux ATP d'être trop centralisés, d'être en quelque sorte gardien d'un trésor, de ne pas communiquer suffisamment, donc de ne pas être en relation avec un tissu associatif très vivant à l'époque, s'intéressant aux cultures de France. Mais tu as raison, et c'était complètement en contradiction avec la politique qu'avait suivie Jean-Jean Rivière auparavant, qui avait au contraire construit le musée et les collections du musée dans un réseau de relations avec des associations locales, avec des folkloristes locaux, avec des petites institutions culturelles. De sorte que, par exemple, quand il avait rapporté des collections de costumes bretons, il en avait gardé aussi pour le musée de Pont-l'Abbé, pour le musée de Quimper. Il travaillait toujours en coopération. Et tout d'un coup, tout ça qui apparaissait effectivement comme un fonds d'une richesse extraordinaire, eh bien, le musée avait l'air d'être assis sur son tas d'or. Et on a eu notamment de très, très mauvaises relations en ce qui concerne l'ethnomusicologie. Au moment où il y avait un revival breton et un grand intérêt pour la musique traditionnelle bretonne, où il y avait une enquête conduite en 1939, elle était indisponible parce que non publiée. Même chose par hasard, c'était sur les champs corses, enfin des régions avec des identités culturelles fortes. Et le musée a pâti... au plan institutionnel, disons, de son aspect de bunker, ce qui aussi était une méchante réputation fausse, parce que quand il s'agissait de prêter des objets, le musée continuait de prêter. Mais c'était cette image, effectivement, d'une maison repliée un peu sur son tas d'or. Je crois que, si vous voulez, ça a été une telle bagarre pour Rivière et son équipe d'arriver à construire le musée, d'arriver à ouvrir les galeries, qu'à un moment, et puis Cuisenier est arrivé après avec d'autres orientations, il y a une espèce de ouf, et puis l'énergie qu'il aurait fallu déployer pour continuer sur la lancée n'était plus là, les équipes n'étaient plus là, les crédits n'étaient plus là, parce que le ministère de la Culture adore payer des bâtiments qui coûtent très cher et pas donner un sou ensuite pour l'entretien. Par exemple, une des grandes nouveautés qui était dans la galerie, au sous-sol des galeries d'études, c'était des visionneuses avec des tas de documents, des visionneuses qui présentaient des documents, par exemple, sur l'histoire de l'agriculture à travers des illustrations tirées des livres d'heures. Bon, bah, les visionneuses tombent en panne les unes après les autres, il n'y a rien pour les remplacer, etc., etc. Donc, du côté musée, il y a une espèce de lassitude importante aussi. Quand Cuisenier, qui recouvrait de sa majesté les deux institutions, ça tenait encore. Et puis, il s'est passé que Jean Cuisenier a été contraint de quitter la direction du CNRS en 1986. Il avait fait un très long mandat, puisqu'il avait commencé en 68. Et je me suis retrouvée directeur du Centre d'ethnologie française à ce moment-là. Et pendant les 10 années où j'ai été directeur du Centre d'ethnologie française, j'ai eu à mes côtés 4 ou 5 conservateurs, enfin, parce qu'il n'y avait aucun conservateur ethnologue qui savait ce qu'il voulait faire des collections du musée. Donc ça a été une période de crise entre les personnels, de réunions interminables, amères, essayant de trouver un nouveau destin au musée. Est-ce qu'il fallait refaire les galeries ? Oui, il fallait les refaire. Et Rivière les avait pensées, d'ailleurs, pour être temporaires, ces galeries, puisque notamment tous les modules dans lesquels étaient installés les objets et les présentations étaient mobiles et pouvaient être démontés. Mais par quoi pouvait-on remplacer l'œuvre du père ? On n'a pas pu tuer Jean-Jean Rivière, en fait. Jean-Jean Rivière, il a continué à vivre jusqu'à la fin du musée avec son œuvre qui tenait dans sa cohérence. Et on n'avait rien d'aussi cohérent pour remplacer cette présentation-là. Donc, c'était une crise institutionnelle. Dans une institution, par exemple, faire cohabiter des gens qui sont chercheurs de statuts différents, c'est très néfaste, et on en venait à la fin à avoir chacun notre boîte de courrier. Enfin, c'était vraiment une crise. Et en même temps, paradoxalement, il y avait vraiment un esprit collectif de tous les gens, conservateurs ou chercheurs, qui étaient attachés à l'institution.
Et puis, un jour, Jacques Sallois, qui était le directeur du Musée de France, a fait paraître dans Le Monde un papier en première page, « Les musées meurent aussi ». Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que le musée allait mourir, ce qui était quand même, c'est quand même violent de penser qu'un musée qui a mis tant d'années à éclore, qui a finalement vécu moins longtemps qu'il n'a été en gestation, en quelque sorte, et qui était condamné. Il y avait une sorte, enfin, il y avait une grande amertume du côté du musée des ATP. Il a créé, j'ai bien suivi l'affaire, parce qu'il y avait une société savante qui publiait la revue Ethnologie française, Société d'ethnologie française, dont il est président pendant une brève année, et j'étais à ses côtés secrétaire général de la Société d'ethnologie française. Et là, il établit tout un programme très, très intéressant de recherche sur ce que devrait être l'ethnologie de la France. Et c'était un programme pour la Société d'ethnologie française, qui évidemment n'avait pas un sou, et donc aucun moyen de lancer un tel programme. Et effectivement, il rencontre en 79 le ministre de la Culture, dont Jean-Philippe Lecas. Jean-Philippe Lecas, et qui accepte de lancer ça. Puis il y a l'année du patrimoine, puis il y a 80 et Jacques Lang. Et donc cette mission du patrimoine ethnologique, elle fait ce que le musée Centre d'ethnologie française aurait dû faire, c'est-à-dire, et j'y ai siégé, donc j'y suis, j'en étais tout à fait admirative, c'est-à-dire avoir des gens spécialistes assis autour d'une table, réfléchissant aux thématiques sur lesquelles il fallait travailler, trouvant des fonds, trouvant des chercheurs, publiant. C'était exactement ça qu'il fallait faire. Et c'est ce que le musée n'a pas fait. Complètement coincé par les structures administratives dans lesquelles il était, parce que ce n'était pas le musée en tant que musée qui avait le pouvoir de lancer cela. Et ce n'était pas plus les chercheurs CNRS qui, eux, sont recrutés sur leur propre thématique de recherche et qui continuent sans penser globalement, évidemment. Puis, de toute façon, le CNRS n'avait pas les moyens sur l'ethnologie de la France de mettre l'argent que la mission mettait sur l'ethnologie de la France, puisque au CNRS, il s'agissait de recruter des ethnologues travaillant sur toutes les aires culturelles et qui étaient mis en avant, chacun des ethnologues recrutés, pour la qualité de leur projet et pas spécialement parce que ça s'intégrait dans un programme collectif. Alors, ça nous était, je dis nous quand même, d'autant plus cruel que c'était au sein du ministère de la Culture, qui était le ministère de tutelle du musée des ATP, que cette mission qui nous tondait l'herbe développait toutes ces recherches extrêmement intéressantes, lançait la revue Terrain, etc., mettait le pied à un grand nombre de jeunes ethnologues qui, par la suite, ont été recrutés à l'université ou au CNRS ou dans les DRAC qui se développaient et qui a véritablement... c'est vrai que c'est un des éléments. Du côté musée, il y avait pas de renouvellement, les expositions temporaires n'arrivaient pas à attirer de la foule. Du côté de la recherche, alors moi je vais défendre la recherche des ATP, les chercheurs qu'on a recrutés, comme moi, travaillaient sur les thématiques qui étaient les thématiques des ethnologues travaillant sur le réel, comme disait Christian Bromberger. Donc on était tout à fait dans la recherche telle qu'elle, c'était plus du tout du folklore évidemment, mais il n'y avait pas cette pensée cohérente qui reprenait finalement la cohérence de la pensée que Georges-Henri Rivière avait eue. Lui, Rivière, il l'avait eue sur la société rurale traditionnelle, et là, c'était une pensée cohérente de travaux sur la société française, les migrations, et puis les nouveaux champs, l'urbain, la consommation, les transformations de la famille, le tourisme, le corps, j'en passe, et des meilleurs. Et effectivement, ça a fait un tort considérable au musée qui apparaissait complètement ronronnant et endormi. Il y a eu des audits qui ont été réalisés et le diagnostic était, que tu l'as écrit dans ton livre, le diagnostic était quand même assez sévère. Pas d'unité de pensée et d'unité d'action, pas de vision, un leadership inexistant,
un personnel désabusé et à la dérive. Aucune programmation des expos et absence d'intérêt pour les publics. Alors vraiment, si on peut pas dire plus. On peut pas dire plus. Et de quelle année date cet audit-là? 80. C'était les Québécois probablement qui y allaient assez direct. C'était avant que le musée soit repris par Guibal. Oui, temporairement. Voilà, temporairement. Temporairement, oui. C'est ça. Et c'est très juste. Alors, pas de public. Ça ne m'étonne pas que ça soit une critique qui vienne des Québécois. J'étais allée visiter le magnifique musée du Québec une dizaine d'années avant. Et il m'avait dit, Madame Ségalène, quelle est votre politique de public? J'en avais jamais entendu parler. Enfin, la politique des publics dans les musées, c'est quelque chose qui n'a qu'une vingtaine d'années, finalement. Donc, on n'avait aucune politique de public. Entre-temps, est passé Jacques Hénard. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure à propos d'une nouvelle muséologie, c'est-à-dire que le musée n'est plus au service des objets, mais les objets au service d'une idée, d'un concept, d'une exposition. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu aussi l'influence de Jacques Hénard, qui avait été parmi les gens audités et auxquels on avait proposé la direction du musée des ATP, mais qu'il avait bien décliné. Et effectivement, Jacques Hénard, qui faisait ses expositions magnifiques à Neuchâtel, qui, à mon sens, étaient plus des spectacles ou des installations, véritablement, que des expositions telles qu'on les entendait classiquement, mettait les objets au service d'une idée. C'est-à-dire qu'il avait un discours muséologique, et puis il pouvait mettre à côté une statuette Sénoufo, et puis une brosse à dents, etc. Et c'est par la magie de son discours, vraiment, qu'on comprenait ce qu'il voulait dire. Mais c'est vrai que son idée, c'était... on en a assez d'être esclavagisés par les objets et c'est nous qui devons nous servir des objets pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Mais je ne vois pas qu'une telle muséologie pouvait... Enfin, c'était donc complètement différent par rapport à l'idée de Jean-Henri Rivière qui était des faits sociaux qu'on illustre avec un ensemble d'objets collectés, n'est-ce pas? Paul Ardel a tout de suite pensé que le lieu était maudit. C'était, on ne veut pas de ce lieu-là, c'est maudit, c'est trop loin, et tout. Et il a cherché un autre lieu dans Paris. Et là encore, on était dans des époques de cohabitation, de ministres de la culture qui changeaient sans cesse. Et il avait jeté un peu son dévolu un moment sur le palais de Tokyo, en se disant, il y avait le musée de l'homme qui allait être en réfection, il y avait le musée du Quai Branly qui était en construction. Et c'est vrai que ça aurait été pas mal, une espèce de triangle, comme ça, l'exotisme, un musée qui voulait européen, et puis le musée de l'homme qui allait renaître de ses cendres. Et puis ça ne s'est pas fait. Et pour des motifs divers et variés, le projet s'est retrouvé à Marseille. Puisque le problème du musée, c'est maintenant d'être un outil culturel qui, sinon ne rapporte, ou en tout cas ne coûte pas trop d'argent aux gens qui les financent, aux institutions publiques qui les financent. Est-ce que c'est ça qui attire la foule et les visiteurs? Ça dépend, ça reste à démontrer. Donc, on verra bien. Et le MUCEM, par ailleurs, j'y suis pas retournée depuis longtemps. Je sais que les présentations... ce qu'on appelle la galerie permanente doit être faite parce qu'elle elle n'attire pas énormément de monde. Et au MUCEM, qu'est-ce qui attire la foule? C'est essentiellement la beauté du bâtiment de Ricciotti. L'autre et le semblable est issu du colloque que nous avions fait pour fêter le 50e anniversaire du musée. Institutionnellement, peut-être, on disait, nous autres, les ethnologues de la France, on a quelque chose à dire sur les ethnologies de l'autre et de l'ailleurs, en prenant en compte aussi bien les questions d'identité, les questions de famille et parenté, et en même temps dans une dimension historique et sociologique qui était importante. Donc c'est un livre qui a eu aussi un écho assez grand et dont je... qui est souvent cité maintenant, bien qu'il soit très ancien, effectivement, et qui n'ait pas été réédité. Mais ce colloque avait été une très bonne réussite où on avait essayé de mettre en binôme toujours des ethnologues travaillant sur leur propre pays et des ethnologues français sur des thématiques qui étaient les thématiques qui émergeaient à l'époque, identité ou régionalisme, migration, citoyenneté, etc. Et je pense à des travaux qui ont été très novateurs, soutenus d'ailleurs par
la mission, comme ceux de Béatrix Levita sur la bourgeoisie, sur, pour le fait que la première fois, pour une des premières fois, les ethnologues n'étudiaient pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, quitte à se faire resservir d'ailleurs Pierre Bourdieu par leurs interlocuteurs. Mais il y avait un travail très intéressant sur la distinction par rapport aux classes sociales. Il y a un article d'Agulon absolument fabuleux d'ailleurs qui montre la profondeur d'esprit de cet homme qui tout en étant historien avait une vision politique du contemporain qu'il a démontré d'ailleurs dans ses œuvres ultérieures avant sa mort. Oui. L'ethnologie du soir avait une quinzaine d'années derrière elle et elle pouvait commencer à discuter sur un pied d'égalité avec ceux qui s'appelaient les anthropologues et qui d'ailleurs, s'appelant anthropologues, n'étaient pas plus comparatistes pour ça que nous-mêmes, si tu veux. Et j'estime que, par exemple, sur les travaux sur la parenté, s'il y avait vraiment une anthropologie historique, c'était bien l'anthropologie historique européenne, où vraiment il y avait des terrains qui étaient comparés. Très souvent, et c'est Charles MacDonald qui l'a dit il y a quelques années, dans un numéro de la revue que j'ai dirigé d'ailleurs, que ce wishful thinking de la comparaison, c'est souvent un pari qui est très peu tenu. C'est difficile, quand on est directeur d'un laboratoire, de retrouver une place, sinon équivalente. Mais enfin, c'est difficile un peu d'être chercheur de base après ailleurs. Tu étais directeur de recherche. Oui, j'étais directeur de recherche, mais j'avais envie de quitter ce laboratoire. Et j'ai quitté ce laboratoire d'ailleurs et j'ai travaillé un temps associé au laboratoire IPROS, Institut parisien de recherche d'architecture, urbanisme et société, avec Philippe Bonin, Anne Gottman, entre autres, qui travaillaient sur des questions de famille et résidence qui m'intéressaient tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai participé avec eux à une enquête très intéressante sur les loges de gardiens qui a été publiée. Et j'ai eu une proposition de l'Université de Nanterre, de Carmen Bernan et Maria, dont j'oublie le nom, enfin, qui est une démographe bien connue, qui dirigeait le département de sociaux, de venir les rejoindre pour prendre en charge, c'était un peu ce qui était mis en balance, dans l'offre, pour prendre en charge ce qui était un DESS qui était tombé en déshérence parce que le directeur, la personne qui dirigeait ce DESS n'avait pas obtenu le poste de prof qu'elle lorgnait et du coup elle avait laissé tomber les étudiants, ce qui n'était pas très élégant, qui n'était même pas diplômé. Et donc je n'ai pas été élue finalement parce que je m'étais présenté à une élection pour être prof au laboratoire d'ethno, mais je ne sais plus pourquoi, enfin, encouragée par tout un tas de collègues aimables qui m'avaient dit « viens, présente-toi », mais non, je n'avais pas été élue. Bon, on a le droit d'avoir des échecs dans sa vie. Et là, j'ai été en fait recrutée comme ça, et donc j'ai été en fait 3 ans détachée du CNRS, directeur pour être professeur, et puis ensuite, ma situation a été confortée comme professeur. Alors c'était, c'est vrai, un vrai challenge pour moi parce que Dieu sait que j'avais participé à des séminaires, y compris des séminaires internationaux, mais là j'ai tout de suite compris que j'allais aller prendre le baptême du feu, d'autant plus que mes collègues enseignants, à part ceux qui étaient venus me recruter et qui m'avaient fait miroiter toute la beauté de la chose, étaient furieux, enfin furieux c'est un peu fort, mais étaient assez aigris. Comment quitter la tranquillité du CNRS, la tranquillité de faire sa recherche, pour venir se faire des cours et s'impliquer dans la complexité administrative et tout, etc. Ils m'en ont beaucoup voulu finalement parce que ils avaient envie exactement de faire le contraire, c'est-à-dire eux de quitter leur poste d'enseignement pour aller prendre un peu l'air au CNRS. Et l'analyse que je fais est qu'évidemment le CNRS devrait être supprimé,
complètement que tous les gens devraient être recrutés comme enseignants et que le CNRS et d'autres organismes devraient donner à ces enseignants des périodes de 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, pour renouveler leur batterie, refaire des recherches comme et ne pas être enseignant à vie, comme le système américain, c'est évident. Et je comprends très bien qu'ils aient été un peu aigris. Moyennant quoi, premier cadeau, cours d'introduction à l'anthropologie générale de première année, dans des amphis de 500. Ou alors là, effectivement, le niveau de mes connaissances devait être complètement rabaissé, parce que faire un cours, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est faire passer du savoir, mais dans une forme de théâtre qu'il faut savoir dominer. Alors d'abord, c'était une période, mais c'est Nanterre. Tout le temps, il y avait des syndicats qui arrivaient en brandissant des drapeaux, qui voulaient prendre la parole. Ça, c'est rien. Mais j'étais tellement... je résistais si peu que j'ai même accepté de prendre un cours qui était entre midi et 2 heures. Ils avaient tous leur sandwich et il y en a qui arrivaient, j'interrompais le cours, pourquoi est-ce que vous venez ici? C'est pour lui passer les clés du studio. Bon, d'accord. Et surtout, j'ai fait venir une de mes filles à l'époque et je lui ai demandé de s'asseoir et puis de me dire comment les gens ressentaient ça. Et elle me faisait comme ça au milieu de la salle en me disant, après, tu vas beaucoup trop vite, il faut répéter. Enfin, donc entre ce que je savais... Et ce que je devais dire, là, j'ai vraiment appris. Faire un cours en amphi à 500 personnes, ça n'a rien à voir avec, autour d'une table, à des collègues qui connaissent tout ça, raconter votre propre recherche. Et donc, ça a été un vrai challenge. Et d'un certain côté, dans ces années-là, je m'étais dit, il y avait d'abord une très forte pression du CNRS pour quitter le CNRS. J'avais le sentiment que, peut-être que j'avais passé mon temps de recherche et que donc je pourrais être bonne en enseignement. Et ça m'a effectivement beaucoup, beaucoup plu de diriger des thèses, de travailler de près avec des gens, d'essayer d'écrire avec eux, de comprendre ce qu'ils faisaient. Tu n'as pas été tentée de postuler à l'école, puisque l'école, elle associe les deux. Enseignement et recherche. J'ai trouvé que le passage à Nanterre, la digestion de l'affaire, la direction de ce master qui me plaisait beaucoup, le fait que mes cours, une fois que j'ai passé une année à les constituer, introduction à l'anthropologie générale, le cours sur les rituels contemporains, les cours sur le patrimoine, où j'avais tout ce qu'il fallait comme biscuits, le séminaire que je faisais en anthropologie européaniste, etc. Tout ça étant digéré, j'ai pas voulu me défiler. On m'a tout de suite collé la direction du département de sociaux pour refaire les maquettes. Et puis, j'étais bien, j'ai trouvé mes marques à Nanterre. Je suis membre du comité de rédaction depuis de très très nombreuses années. Il faudrait que je regarde dans quelle année mon nom est apparu dans le comité. Quand Cuisenier a commencé à faire rentrer des jeunes dans le comité. Il me semble que c'est 76, quelque chose comme ça. Bon. Parce que quand Cuisenier a repris Ethnologie française, il s'est surtout beaucoup appuyé sur ces historiens qui étaient qui publiait les travaux d'anthropologie historique les plus importants, Alain Corbin, Emmanuel Leroy-Ladurie, Maurice Agulon, qui a beaucoup publié, ou alors une sociologue de l'art comme Raymond Moulin, ou je ne sais pas s'il n'y a pas eu Raymond Boudon à un moment. Et donc, c'était les grandes figures qui étaient les contemporains de Cuisenier, d'ailleurs, qui étaient dans ce comité. Et puis, petit à petit, il y avait Marie-Louise Tenez aussi, puisque c'était elle qui était la cheville ouvrière de Art et Tradition Populaire. Et puis, il y a eu Jean-Michel Guilcher. Et petit à petit, il a fait rentrer dans le comité des gens plus jeunes comme moi, et ensuite d'autres gens, le comité s'est étoffé petit à petit. Mais je dois dire que ma participation à la revue,
était à part. Je n'ai pas beaucoup publié dans la revue, finalement. Et c'était... Qui a fait beaucoup de comptes rendus aussi. Quand même, oui, moi je suis la reine du compte rendu. J'adore les comptes rendus. Et je continue. Cette revue, elle est venue à Nanterre en partie sur ma tête et sur l'engagement que je prendrais la direction de la revue quand Jean Cuisenier passerait la main. Quand j'ai repris la direction de la revue, j'ai rajeuni considérablement le comité. Alors, des gens d'ailleurs qui n'étaient plus très présents sont partis. Donc beaucoup de mes anciens jeunes thésards, qui étaient maintenant des chercheurs établis, sont venus. Et c'est eux qui ont apporté, c'est pour ça que je suis trop vieille pour diriger la revue maintenant, parce qu'il faut être en plein dans l'activité de la recherche pour, du fait des colloques, des réunions, des travaux qu'on fait, être au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est ça que ce comité a apporté. C'est-à-dire que, il s'est trouvé qu'il y a un moment, une coalescence de sujets, par exemple, sur la transformation de la jeunesse. J'ai été à plusieurs soutenances de thèse, où j'ai rencontré Olivier Galland, qui signale que tel et tel travaille là-dessus. Il y a des colloques qui viennent. Donc, c'est plutôt le milieu. Ça vient à la fois dans le comité, on a des vraies discussions sur tiens, il nous faudrait des sujets sur ci et ça, et en même temps c'est cette rencontre avec cette espèce de politique générale, si on peut dire, c'est un bien grand mot, et puis ce qui monte de la recherche et des groupes de travail qui se mettent à l'œuvre sur des colloques, et c'est comme ça qu'on fabrique les numéros, qui sont tous des numéros centrés, avec un parent qui est consacré à un pays étranger, et que se construit le portefeuille de revues, de numéros. Et on a toujours maintenant pratiquement 2 ans d'avance de numéros sous le coude qui sont en préparation, sachant que c'est pas trop d'ailleurs, parce qu'il faut pratiquement 2 ans pour faire un numéro. Mais on a fait des numéros sur les nouvelles adolescences, on a fait des numéros sur le corps, sur le sport, sur des questions qui sont maintenant, ça c'est porté par des jeunes ethnologues, des questions de l'ethnologie contemporaine qui traversent d'ailleurs les pays et les cultures, sur les ONG, qu'est-ce que ça veut dire, ou sur encore les dangers, qu'est-ce que c'est que ces concepts-là. Ça pourrait être sur les émotions aussi bien. Et donc, les numéros sont fabriqués entre la façon dont autour de soi, ces jeunes membres du Conseil voient des recherches qui se font. Et puis maintenant, la réputation de la revue qui fait que on est sinon assailli. Je sais qu'au dernier comité de rédaction que j'ai présidé, on avait 8 propositions de numéros centrés qui sont arrivés. Il y a eu des mauvaises expériences avec des colloques tout bouclés, tout faits, où on arrivait, où quelqu'un arrivait avec son équipe, sa façon de voir les choses, sa problématique, et c'était un numéro monomaniaque avec mêmes idées. Ça, on n'en veut pas, et on veut pouvoir à chaque fois discuter avec le responsable, qu'on appelle l'éditeur maintenant, pour rester dans les normes anglo-saxonnes, et c'est une négociation avec lui, entre les gens qu'il a pu rassembler autour de lui ou autour d'un colloque qui a été fait. Sauf que j'ai été invité, par exemple, à parler de la famille chez des gens qui sont spécialistes des Tziganes et des Roms, et là, il y avait autour de la table des historiens confirmés sur le sujet, des gens qui avaient des thèses en route, etc. Et moi, en discutant avec Jean-Luc Poitou, qui est responsable du numéro, on a dit, tiens, comme il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur l'idée des migrations et de populations mobiles, on va au contraire prendre le contre-pied et voir au contraire comment ces populations se stabilisent, quels effets ça a. Donc ça sera l'axe et l'angle du numéro. Et j'ai toujours d'ailleurs a beaucoup insisté sur les titres qui me semblent très importants pour donner les axes de numéros. Et il y a eu des bons numéros, il y en a eu des moins bons. Dans l'ensemble, je dois dire que
Le numéro qui a eu le plus de succès chez nous, quand on peut mesurer le succès au nombre de visites sur notre site Cairn, c'est un numéro lancé par Philippe Combessy qui est « Sexualité négociée ». Et maintenant, le champ de la sociologie, anthropologie de la sexualité est un champ nouveau sur lequel il y a eu finalement peu de travaux qui ont été lancés d'ailleurs entre autres par Michel Boson qui est passé des conscrits ou de la chasse à la question de la sexualité dans le cadre des travaux qui étaient liés à l'épidémie du sida. Et c'est vrai qu'il y avait assez peu de choses à part les travaux de Foucault peut-être. Et maintenant, voilà tout un domaine qui s'ouvre. On a le domaine maintenant des catastrophes. Donc, on a eu des numéros aussi sur ces questions-là. On a le domaine, tout ce qui tourne autour maintenant de l'alimentation, du bio, ou des problèmes, des épizooties. Et ça, les chercheurs sont finalement, en tant qu'ethnologues, principalement interpellés par les problèmes du contemporain et ils essaient d'aller voir en tant qu'ethnologue ce qui se passe sur le terrain. Personnellement, c'est ta revue. Ça ne l'est plus depuis le 2 avril. Oui. Mais je m'y suis beaucoup impliquée. Ça a été une chance incroyable d'avoir accepté finalement et d'avoir suivi les judicieux conseils de mon époux. Parce que bon, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on veut, mais ça me plaît. J'aime physiquement, ça me plaît. La boucle est bouclée. J'ai commencé à travailler avec Marielle Brune de Lama à corriger les épreuves de l'Aubrac. Et il y a ce côté matériel, ce côté d'essayer de faire le mieux possible, de publier le meilleur contenu scientifique possible et la revue la plus propre possible. Où tout ce qui est invisible a donné un travail fou. Maintenant, la revue fonctionne avec les normes du CNRS qui sont que chaque revue n'a qu'un demi-poste. Donc, c'est avec un demi-poste que j'ai fonctionné à la revue depuis très, très longtemps maintenant, d'où l'investissement que j'y ai en temps, en énergie et en bonheur que j'y ai consacré. J'ai une chance énorme, finalement, de pouvoir m'investir dans ce travail qui m'a permis de rester, ce qui est quand même un cadeau extraordinaire à l'âge assez avancé que j'ai, en relation avec le milieu de la recherche grâce à ces jeunes qui étaient là dans le comité de rédaction, et puis de connaître c'est la production sociologique et ethnologique contemporaine. Ma vie professionnelle, Alain, ça a été jusqu'à avant-hier, sans arrêt. Ça a toujours été une chose après l'autre, un terrain, une demande, un intérêt, des colloques. J'ai eu une chance magnifique d'avoir l'impression. Et une ardeur au travail extraordinaire. Non, à rien du tout. Non, pas du tout. Je crois que j'ai beaucoup appris dans le privé. D'arriver, travailler. Je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Je travaillais comme un rond de cuir, quoi. Hein. Je mettais les enfants à l'école, et puis j'étais là à 9h30 ou même 9h au musée, et puis je terminais pas trop tard. Et simplement, j'ai eu cette chance qu'une chose en appelle une autre, et voilà. Tant que j'étais au CNRS et même quand je suis passée à l'université, la vie familiale et la vie de recherche sont parfaitement compatibles. Enfin, ne parlons pas des difficultés d'aller sur le terrain, mais sinon pour le fait d'écrire, le fait d'organiser des colloques s'inscrivent dans le périmètre d'une journée sans rien faire d'exceptionnel. Je lis, j'écris. J'aime beaucoup écrire, j'aime de plus en plus écrire et j'aime de plus en plus essayer de mieux écrire. J'ai, comme tu dis, j'ai pas mal produit, pas mal écrit d'articles, peut-être un peu trop vite aussi, et en vieillissant, j'ai essayé de m'appliquer. Je me suis rapprochée d'un programme qu'a l'École des hautes études pour soutenir les étudiants réfugiés qui font leurs études à l'école, où ils ont besoin de gens. Donc, je ne sais pas comment,
mais c'est entendu avec la jeune Liora Israël, qui a d'ailleurs été mon étudiante, elle aussi une étoile très brillante qui est passée et qui est maintenant une sociologue du droit et qui est en ce moment l'assistante du président de l'école des hautes études, et que j'avais sollicité, et j'ai dit bon, ben, je vais arrêter à la revue, comment puis-je m'employer? Et donc elle veut bien me recruter dans le programme qui aide les jeunes réfugiés. Alors je me vois, ben, comme toujours, recommencer depuis le début, les aidant à écrire leur thèse ou à se diriger un peu dans la recherche. Comme ça que je vois mon futur. Bien, et bien, ainsi s'achève, j'ai envie de dire, cette première journée de formation. Merci à toutes et à tous, et puis rendez-vous demain à partir de 9h30 pour l'accueil. Merci et à demain.